Salut, c'est sur Monster Hunter, n'est-ce pas? Salut Dragonir aussi. Enfin, je te dis salut, mais je voulais dire merci surtout pour le sub de 6 mois, ça fait plaisir. Toi, t'es là depuis 1000 ans aussi, donc. Je saurais pas placé exactement où. Alors, par contre. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pas mis la musique du jeu. En fond. J'adore cette ambiance, par contre. Mais en début de strip, non. Merci celui pour les 5 mois et merci d'être là. Est-ce que tous les. Non, y a pas. Y a pas Arreus, c'est ça? Ok. C'est bon, au moins c'est clair. Je sais qui est de mon côté et qui ne l'est pas. C'est bien ces petites absences là. Ça permet de voir quand tu reviens, tu vois. Qui est toujours là pour faire le modo, qui ne l'est plus. Bon. Pas Arreus, y a pas Arreus, quoi. Voilà. Ça, je note. C'est noté de toute façon. Il est pas encore là. Non, mais il va arriver, je pense, de toute façon. Ou il va au moins passer dire s'excuser, quoi. Enfin, ce serait la moindre des choses à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est une musique complètement Sims là. Hein. Non? Ouais non, en fait sans plus, parce que d'habitude j'adore les musiques dans ces jeux-là, style la musique de Planet Coaster aussi. J'aime trop l'ambiance en fait de ce genre de jeu, la gestion, c'est super friendly, super bonne humeur. Ça c'est hors de stick, merci. C'est censé être en 15 FPS. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries. J'ai jamais vu Urgence, je viens de lire tout de suite, je confesse. Jest infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future. Joyeux anniversaire, Sullivan, ouais, clairement. And hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us. Très bon anniversaire. C'est pour toi que je stream. Hein. We're open for new staff, new patients, and a new you. Yes. Can I go play golf yet? I'm teeing off at 3. C'est vrai que c'est un sport national pour les médecins, pour les médecins aux États-Unis, j'ai l'impression. Tous les gens qui sont dans le médical, ils jouent au golf. Bon, maintenant, ils sont tous blindés là-bas, mais lol. Ah mais attends, mais ça va être une map style. Style tous les jeux ever, style Mario et tout là, avec des niveaux, comment ça se passe? Je suis presque sûr que c'est pas ça fait pas cette taille là l'hôpital. Premier hôpital, mais merde, c'est une carrière. Pourquoi il y a un scarabée là? Pensez à la momie ça. Réseau super virus projet collaboratif. Comment? Non non. Qu'est-ce que c'est que ça? La gueule du superviseur en bas à droite là. Bon, en tout cas salut à ceux qui arrivent encore. J'aime beaucoup. Je la vois pas souvent cette photo de profil là, mais quand je la vois elle me fait plaisir. Alors du coup, attends, parce que là il y a le Borbo qui est au dessus. Peut-être l'enlever là, non? C'est après que vous avez chialé que vous ne voyez pas ce qui a marqué. Hop là, putain. C'était rapide. Tu stream pour ceux de Nian, mais je stream pour ceux de tout le monde. Sauf Arreus parce qu'il est pas là. Commencez. Alors Ami a rejoué ce niveau. Alors Lou a eu 3 étoiles, c'est un fact parce que je peux dénoncer les gens. 2 étoiles, pas top. Non mais Lou, en fait, tu la tryhard ce niveau-là. 0 étoile, alors ça par contre c'est misérable. Puis en plus il est hors ligne donc il peut même pas se défendre. Ok, 2 étoiles. Bon, j'ai l'impression quand même si t'as pas au moins 2 étoiles c'est que t'es une pauvre merde, mais on va voir. Tout est possible sur cette chaîne, vous le savez. On aime bien relever les défis ici. C'est une chaîne de challenge avant tout. Mais putain, je pensais pas que ça allait être un truc arcade. Où tu fais ce que tu veux, tu sais. Mais là ils me prennent pour un casu à m'apprendre à jouer là. Voici la moitié de mon compte bancaire, merci. Ça fait plaisir. J'aimerais que tu te mettes à découvert la prochaine fois, s'il te plaît. Merci pour les 2€. Alors ça, je lis même pas cette merde, là, c'est bon. Non, mais pitié. Je sais pas pour qui ils me prennent. Alors par contre, l'hosto est vraiment dans un quartier résidentiel, là, pour le coup. L'endroit le plus important de l'hôpital est la réception. Bien sûr. Bon, ceci dit, il faut qu'on passe par là, non. Finalement, j'avais pas capté ça en faisant une découverte, mais ça me semblait pourtant évident. Ok, si je la mets là. Effectivement, dès qu'ils rentrent, ils seront dedans, moi. Eux, ils le mettent où? Mais ils le mettent pas si loin que ça, hein. Ouais, ça. Je vais le mettre genre... Ah bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis pas le plus proche. J'espère qu'il est bien droit. Je graphise quand même, j'aime bien quand c'est droit. Bien, nous allons avoir besoin d'un assistant pour occuper la réception. Ouais, ouais, ouais. Jusque là, ça va. Il m'a déjà coûté 1000 balles, hein, le bureau. Vous remarquerez. Je peux dire que moi, j'irai chercher ça sur le bon coin. Ça coûterait moins cher, déjà. Mais bon, je vais pas faire des commentaires à chaque fois. Mais bon, là, c'est pareil. C'est quoi ces salaires de ouf là? Poppycunk. Rien que pour son nom, j'ai envie de le prendre, mais. Il a l'air horrible à chier en fait. Elle, j'arrive pas à savoir là.
avec un nom comme ça, excusez-moi, mais je sais pas si c'est masculin ou féminin, la gueule ne m'en dit pas plus, quoi. T'es pas censé stream, Nate? Éviter la mort quand possible. Non mais attends, on n'est pas encore ouvert là, attends. On a déjà payé un gars, enfin une femme en l'occurrence, qui fait les annonces. Mais on n'a même pas de réceptionniste, quoi. Bon, je vais prendre débile. Ah, débile! Oh là, j'avais pas vu ça aussi. Alors là, il y a que des bons noms, mais débile, ça me parle. 443 balles rien pour se faire recruter, mon petit seigneur. Vas-y, s'il te plaît. Tourne-toi par contre. C'est dans l'autre sens que ça fonctionne. On a besoin d'un bureau de généraliste. Allez, allez. Easy, construction de salle, j'ai pas lu ce pas. Cliquez sur salle. Puisque là, ça va. 5800 balles. Yes. Et donc là, ok, faut faire un carré. Est-ce qu'on a envie qu'il soit dans le hall? Le mec, il va rager un peu là, non? Autant plus, je le fais là. Ils veulent quoi? 3x3? Bah, du coup, ça peut pas être. Non, moi, je fais 4x4. Ça vous dérange, je fais ça? Sinon, ça me stresse en fait qu'il soit pas carré. Allez, on s'en fout, je fais ça. Ils peuvent pas me dire quoi faire. Là, il aura à peine la place pour mettre son cul. Presque. Et comme ça, je vais en faire un maximum. Je vais en mettre de partout. Ça va pas être un bureau, tu vois, pour un mec, quoi. Je vais pas le respecter. Bon, par contre, je peux pas tourner ça, là. Si. Je me trompe de touche, mais c'est pas grave. Clique sur la coche verte. Vas-y. Hein. Je sens que je peux pas en mettre un autre dedans, du coup, c'est un peu débile de l'avoir mis dans le coin, mais bon. Genre, le truc à devenir fou, ça va être placé dans un coin, dans une salle. Excellent, maintenant, nous allons pouvoir avoir besoin d'un docteur, oui. Alors là, attention, les prix, je pense qu'on va tomber dans de la chaise. Ouf. C'est que dalle, en vrai. C'est vraiment que dalle. Elle est au SMIC, quoi. Elle est même pas au SMIC, là. Américain, je veux dire. Je sais pas ce que c'est le salaire minimal américain, mais... Tu peux pas survivre, non, aux États-Unis avec 16 000 balles par an. Enfin, je sais pas. Peut-être que tu peux. En tant que médecin, c'est quand même triste, quoi. Bon, par contre, le médecin, je vais faire péter la banque, parce que c'est important. Faut poser son cul sur la chaise ou il va y arriver tout seul là. Merci. Il ou elle à chaque fois, bon je reconnais pas leur gueule. Ça peut très bien être des man buns hein, qu'ils ont. Hôpital ouvert. Ah putain, il en faut peu. Pas un hôpital du coup là, c'est juste. C'est juste le médecin du village quoi. Avec sa secrétaire. Jusque là ça va, regarde là. Hop 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 hop. Changer d'angle par contre, j'ai pas lu. Tranquille. Attends, changer d'angle en général c'est une touche de toute façon. Ah merde, mais c'est HUD minimaliste hein. Ouais, je sais pas changer d'angle de la caméra. Ouais, mais ça c'était le risque hein. Mais regarde. Ils vont sûrement pas me le dire nulle part. Regarde, hop. Maintenez le bouton central, ah bah j'aurais jamais trouvé autant te le dire. Ah bah c'est ça. On fera jamais ça je pense. On va se mettre comme ça et ça ira bien. La musique. Je me retape une pub à chaque fois que je perds la coke, vous allez être riche. J'espère bien continuer comme ça, s'il te plaît. Petit Battlefield. Alors, croyez-le ou non, à cause de Taiki, maintenant je joue régulièrement à Battlefield et j'ai converti tous mes potes. Battlefield 1, en l'occurrence. C'est vraiment à cause de Taiki qui m'a fait tomber là-dedans. Message, nous avons diagnostiqué notre premier patient, le généraliste vous a envoyé un message. Vous devriez aller le lire si je veux. Ciment. Le ciment ? C'est pas le chroniqueur docteur ça, Simon? Non, il joue de carrelage du salle de bain. Oh, il nous faudrait une pharmacie pour le traiter. Bah excuse-moi, il faudrait pas juste commander le truc sur internet. Faire attendre le patient envoyé au domicile. Faire attendre. Il va attendre longtemps s'il attend qu'on construise une pharmacie. Je vais pas être méchant, mais... Encore plus cher, toujours plus cher. J'ai hâte de voir la salle d'IRM. Je vais mettre juste à côté celle-là, regarde. Par contre, celle-là, elle va faire 3x3, c'est moi qui te le dis. Oula. C'est gros. C'est bon. Hop là. Sympa, en vrai, toutes ces petites animations, là. Encore une fois, c'est super feel good pour l'instant. C'est quoi qu'il faut dans... Merde. Un infirmier, ok, d'accord. Par contre, je vais prendre Denis Burpee Burp. Je suis un gros raton. C'est bon. Bon, ça, tout se passe bien. En même temps, je peux pas échouer là, je pense. Quoique, il y en a qui ont eu 2 étoiles, hein. Et il y en a un qui a même pas eu d'étoiles. Salut, Tommy. Ah, non, mais Taiki, il est insane, de toute façon, sur les jeux qu'il te recommande à chaque fois. C'est une machine. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est bon? Simon.
Lui, il est en train de s'enfiler des piles, là. Il nous a donné 5000 balles, non, pour ça. Patient guéri, beau travail, nous avons guéri notre premier patient. Nous avons obtenu de l'argent et la réputation de notre hôpital a grimpé, ce qui attira d'autres patients. Ok. Ah, merde. Ah ouais, non, mais... L'infirmier, il a pas beaucoup de chances de succès, hein, je pense, là. J'ai pris la pire merde que j'ai trouvée. Excuse-moi, no offense, hein, bien sûr. Je le dirai pas devant toi, ça, mais... Oups, le microphone actuel. Ouais. J'imagine qu'il va y avoir un truc avec les poubelles et tout, les déchets. Ça, c'est un grand classique de tous ces jeux. Il y a des déchets partout, les gens sont pas contents. Bah, je les emmerde, ils viennent à l'hosto se faire soigner. Ils viennent pas se balader. Merci pour les 22 mois, Fury One, se plaise. Si le taki sur PUBG, c'est négociable. Non, mais sur Battlefield, il est très fort, par contre. Un agent de maintenance, et bah putain. Ah, mais c'est pour entretenir les machines, d'accord. Journée piscine, poulet beurré, l'artiste. Course. Je sais pas ce que... Ah si, ça c'est pour mélanger machin, là, pour agiter les trucs, je sais pas. J'ai pas travaillé là-dedans beaucoup, d'accord. Médecine, ça a duré 2 mois pour moi. Un agent de maintenance, 0. Alors là, c'est important parce que le matériel, ça coûte cher. Donc je vais prendre Franklin Vinegar. Il coûte cher ce con, là. Mauvais caractère, suscite l'enthousiasme. Alors attends, ça c'est deux trucs qui sont très peu compatibles. Oublier tous les nœuds qu'il savait faire, gros con. C'est la première fois que je lis ça, tiens. J'aurais dû regarder avant d'embaucher les autres pélos, là. Je crois dans une comédie romantique, née pour enseigner, hygiénique, ne sont pas photogénique. J'en ai rien à foutre de ta vie. J'en ai rien à foutre que tu sois bon pour enseigner, tu vas réparer des machines. A du potentiel, oublie les noms. Alors les mecs peuvent progresser. Parce que Franklin, il a mauvais caractère, pardon. Yo, Dounet. Tranquille ou quoi? Vous avez pas joué à Battlefield là peut-être? Bon, je vais prendre... Lui il a du potentiel et moi je crois ce sera mon poulain celui-là. Je le mets où celui-là? Oup là. Mais là tiens. Ouais c'est ça ouais, marche à l'ombre. Placer deux extincteurs, ok. Alors, éléments, je suppose. Oh. Ouh, il y a un truc qui va être 550k, un jeu d'arcade. Dans l'hôpital. Putain, c'est bien un jeu d'américain ça. Un rosier ça vaut autant. Et un jeu d'arcade aussi, c'est important de savoir. Un Yuka par contre, on n'aime pas trop dans ce jeu. Tapis terrain de foot. Pitié quoi. Y a pas le tapis qu'on avait tous quand on était gosses, enfin de ma génération. Maintenant j'imagine ça, les iPads, c'est toujours sur le portable, bon merde. Le fameux tapis où il y avait toutes les routes là. Il y avait une ville là, entière et on jouait dessus, c'était magnifique. J'espère qu'il, à mon avis, il va y être parce que... We are here to serve your highness. On est où? J'ai pas entendu là. You où? Ouais. Je vais en mettre une là parce que je fais pas confiance au médecin. Je vais en mettre une là parce que pour la suite. Ça sert à rien, c'est les mecs qui se battent dans le vide là. T'imagines à climatiser tout ça? Pour les vieux en plus qui viennent à l'hosto là, t'es obligé de tout climatiser, ça coûte une blinde alors que c'est tout vide. Merci à l'UMS pour les 24 mois, tier 3, ça fait plaisir, j'espère que tu vas très bien mettre un coffee shop dans l'entrée. À mon avis, je pourrais mettre des Starbucks avant la fin de ce jeu. Il est important de garder votre personnel et vos patients heureux. Alors, ça peut fonctionner sans que les gens soient heureux à un hôpital. Hein. J'ai l'impression que l'ambiance dans les hôpitaux français, c'est pas non plus la folie, que ce soit côté patient ou côté personne qui y travaille. Hein. S'il y a des gens qui y travaillent, là, ils peuvent peut-être témoigner, mais... Les patients commencent à s'ennuyer, à avoir faim, à avoir soif, mais je les emmerde, ils viennent se faire soigner, quoi. C'est pas le parc d'attractions, c'est... Ils quitteront l'hôpital pour faire soigner chez un concurrent. Bon, j'avoue, encore une fois, système américain, ils payent les cons, mais bon, quand même... C'était un peu... je sais pas qui c'est le DJ, c'était un peu rude la transition, là. D'accord, ouais, ok. Bon, alors du coup, ils me disent quoi faire encore, c'est magnifique, j'adore quand c'est comme ça. Alors, des bancs, j'imagine, non? Bah, c'est deux bancs. Je vais mettre un banc là. Comme ça, ils feront pas chier mon réceptionniste, à le spammer. Et juste à côté, parce que j'imagine qu'il faut être stratégique. Regarde là, juste là, hop là, il pourra pas résister à ça. Il verra tous les gens qui viennent acheter. So close, Barbie. Non, peut-être en faisant ça. Attends, j'ai déjà mis quoi là? J'ai mis du soda là, non? Non, j'ai mis l'anka. C'est bon. Présentoir à brochure, regarde. Juste. C'est tellement le coin. Ça, je vais le mettre là. Je sais pas si j'aurais dû le mettre là. Attends, regarde. On s'en fout en vrai. J'accorde déjà beaucoup trop d'importance à un truc qu'il y en a pas. Je vais mettre au milieu, tiens. Comme si c'était un magasin de trucs de touristes avec les porte-clés là. Et la fenêtre. Mais on s'en fout de la fenêtre, regarde.
Faut pas qu'ils voient le jour en fait. C'est intéressant qu'ils voient pas le jour, comme ça ils savent pas l'heure qu'il est. Et tu vois, ils osent pas. Enfin, ils ont pas la notion du temps en fait. C'est comme un casino, tu vois. T'as pas de lumière, t'as pas d'éléments extérieurs, tu sais pas quelle heure il est. Le personnel s'épuise en travaillant, mais ça va, ça fait 5 minutes qu'ils sont là. Une salle de repos prestigieuse. Et ben allez. On va essayer de faire ça. De toute façon, là j'ai l'impression que l'argent coule à flot, donc bon. Juste là. Allez, franchement, c'est la salle de repos là. C'est plus grand que tous les trucs pour soigner les gens pour l'instant, c'est magnifique. Merde! What have I done? H! Eat! Attends, je vais juste faire ça. Je vais refaire parce qu'il m'avait proposé un truc et je sais pas encore ce que c'était. Je crois que c'était un canapé, bien entendu. Yes, 400 balles le canapé. Merci de me le proposer, mais je m'en serais passé. Deux! Tiens. Une télé dans le milieu aussi. Il travaille un jour pour mériter ça. Ok, j'aurais pu faire un truc un peu mieux. C'est bon, je vais en mettre un dernier histoire d'eux. Voilà. Je suis content là, ils m'ont ruiné. Bon, c'est pas des très bons canapés 400 balles par rapport à des trucs que j'ai payé beaucoup plus cher. C'est-à-dire que c'est des mauvais canapés quoi. Je suis devenu capitaliste publiciste. J'ai toujours été. T'as l'heure des tickets resto à tes employés, je te jure. Vive les tickets resto. Dans notre hôpital, y a pas de médecin, mais y a des bornes d'arcade. C'est un peu ça, ouais. Parce qu'une pause s'impose. Ah, je peux le forcer à faire une pause. Ouh, on soigne ça ici, là. C'est quoi, c'est un léprechaun qui est venu voler? Un léprechaun? Je sais pas comment on dit en français. Agent à tout faire, les boissons et encas sont parfaits pour le moral, mais sans poubelle à proximité. Les gens risquent de... Les gens sont des gros porcs de merde, hein, encore une fois. J'aurais pas peur de le dire. Alors ça par contre je peux pas le mettre au milieu de la pièce quoi, il faut que ce soit à côté de la fenêtre. Deux poubelles, bah tiens monseigneur, c'est qui les vide? Juste, non pas à côté de la réception quand même le pauvre. Mais là, regarde à l'angle. Une toilette, c'est important. Alors une toilette par contre ça va être des salles. Alors là les toilettes par contre le budget va exploser. Je plaisante, calmez-vous, je plaisante. Salle, toilette, ça coûte plus cher que la salle de repos. Ah bah oui, mais en même temps, effectivement, il y a toute la plomberie et tout le bordel à faire. Les chiottes juste à côté de la salle de repos, là, regarde comme ça. Ils sont immenses ces chiottes. Non, en fait, ils sont petits par rapport à la taille des trucs. C'est bon, ils en ont assez les chiottes ou comment ça se passe là? Il faut pas faire homme-femme non plus, non? On s'en fout. Beaucoup trop là, non? Là, je voudrais mettre des lavabos, après, ce sera mon grand plan. Bon. Je suppose que c'est A, non? C'est une enclave au milieu de la pièce, le truc, tu sais. D'ailleurs, on dirait l'état du Texas un petit peu. Hein, cette forme d'hôpital. Mais mec, en même temps, s'ils sont malades du ciment, tu peux être malade de tout à ce niveau-là, quoi. C'est le diagnostic. Le médecin, il est pas certain. Mais tu sais combien je le paye, lui? Pour être pas certain? Il se passe la dernière musique, bordel. Ça part en tous les sens, cette OST. Wolf, the lone voice of reason, ready to spread some truth to all our vigilant listeners. So open your eyes and your ears. Dommage, je sais pas si c'est vrai. To find out what's really going on. But first, les fameuses radios de l'hosto. Je m'essuierai, je parle par dessus ta voix suave, même si j'ai pas mieux. En agrandissant l'hôpital avec davantage de salles et de personnel, le niveau de l'hôpital prendra. Ah bah plus à passant, plus à queue, ouais. Littéralement. Faites attention aux avertissements d'attente au-dessus des salles. Très bien, monseigneur. Attends, je dois faire le diagnostic. On va le mettre juste à côté du médecin. Et tu sais quoi? Non, on va pas faire un truc huge, attends. En fait, je sais pas quelle taille il faudrait que ça fasse, du coup. Eux, ils étaient partis sur une 3x3 pour le médecin, déjà, donc j'imagine que... Pas besoin non plus de... J'arrête de mettre le truc aussi sur les murs à chaque fois. C'est une manie, un petit peu, hein. Je mets tout contre les murs, tu vois. C'est parce que je garde de la place pour la suite, attends. On sait jamais. Après, je vais les optimiser, moi, les places. Il fait quoi, lui, là-bas? Qu'est-ce que t'entretiens par là? Attends, je t'ai jeté à l'œil, putain. Attends, je peux pas réduire son salaire, là. Non, il est au minimum. Je peux l'attraper, le virer. Ouh! Fais une pause. Négocier le salaire. Emploi. Attends, mais moi, je peux négocier le salaire? Parce que je les préviens, moi, je leur proposerai jamais, par contre. Hein.
Mais j'espère que je peux négocier la baisse par contre. Ça c'est intéressant. Et toi Lou, du coup tu l'as fini le jeu? Parce que j'ai vu que t'avais eu 3 étoiles sur le premier niveau comme une tryhard, mais... Est-ce que tu t'es arrêté là? Pire que mon patron alors mollo par contre, avec les fascistes. C'est quoi cette icône là? Ah oui, y'a pas... Il manque quelqu'un, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la... Dans la salle? C'est un assistant? C'est quoi? Un docteur? Diagnostiqueur? Longueur de la queue de... Mais non, calmez-vous, je peux pas mettre pause là. On peut mettre pause normalement dans ces jeux. La tête d'ampoule. J'ai hâte de les voir arriver ceux-là. J'imagine votre manifesté. Deux secondes. Info. Un généraliste. Le cauchemar se tord, oui. Et se cabre éternellement. Un infirmier. Joyeux anniversaire. Formé au diagnostic, genre lui. Ah oui, oh, lui c'est un monstre. Joanne Mojo, en plus. Johanna Mojo, c'est une monstre. Mal apprise. Bah tiens. Bout en train, on a assez des ensembles à cordes. J'avoue, je peux pas comprendre. Merci beaucoup, Eladim. On l'applaudit bien fort dans le train, Lou, s'il vous plaît. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour les 11 mois. Bientôt là, un an. Alors du coup, j'ai mis pause tout à l'heure. Donc c'est espace, vous serez content de le savoir. Diagnostic plus 100%. Bonheur plus 5%. Les fameux malades de la tête d'ampoule. Ils savent s'habiller quand même, hein. Ceux qui viennent chez moi. Tu sens que c'est pas n'importe quel hosto, quoi. Gagner 15 000 balles, construisez 2 bureaux de généraliste. C'est maintenant qu'on me le dit, tu sais. Je dis ça, j'aurais pu dire ça à n'importe quel moment, c'est maintenant qu'on me le dit, mais... Cette porte va me gonfler, par contre, parce qu'elle est placée... de manière un petit peu relou. C'est pas grave. Y a combien de places, là? Y a pas la place de faire généraliste Kun 2. Bon, je vais le foutre là, non? Oh, de toute façon, de sa vie à lui. Il devrait être bien content d'avoir un bureau, tiens. Comme je sais que je peux mettre qu'un seul truc dans le bureau, je vais le placer correctement. Voilà. Qui sont un peu moins chum que l'autre d'avant. I've tried hypnotizing myself with pendulums and pocket watches, but I find listening to my voice. C'est quoi ces merdes là? Nouveau candidat dans un jour. Hop, j'ai appuyé dessus, qu'est-ce que ça fait? I say one thing and then another thing. And I say one thing. Travaille pour des cacahuètes. J'adore, j'adore! It's possible you're now. Très forte au croquet en plus. J'adore ça, les gens qui travaillent pour rien, ça me fait plaisir. C'était bien un médecin là, c'était pas un. Oui. Parce qu'il avait un truc de diagnostic, mais bon, je suppose c'est une compétence transversale. Il y a une queue de ouf là. Ça va travailler un peu ou je vais devoir commencer à prendre des sanctions là? Les tickets resto, va falloir travailler pour les avoir. Hein. Ça va pas tomber comme ça, les mecs ils croient que ça, il suffit de demander, ça va. Elle est où ta plus-value dans la boîte? C'est pas un hôpital, c'est une boîte, d'accord? Stream et train, c'est pas compatible. Ah bah. Surtout que je bouge dans tous les sens, hein. C'est ce genre de jeu de toute façon. J'en vois deux qui foutent rien, mais pourtant il y a la queue. Ah, mais c'est le réceptionniste qui niquait tout le game. Je vais en faire un deuxième, je pense, hein. Solanrock, merci pour le sub. Te plaise, nouveau sub. Très apprécié. Willkommen. T'es en train de dormir ce bolos là? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux aller te reposer? Non, c'est bon. Ça défile. Réveil difficile. Une salle spéciale, la salle commune. Et bah vas-y, je vais le faire. Y'a aucun sens dans... C'est quoi ça? Une auberge de jeunesse, mais en moins conviviale. Est-ce que je peux changer l'endroit de la porte, là? Modifier. Bon, du coup, c'est chiant, parce qu'il faut que je... Oui, je souhaite... Attends, pause, parce que ça va me gonfler, je vais y passer ma vie. Clic droit, ça vend les choses. Je serais content de le savoir. On sera content de le savoir. Si on fait clic droit, on a un objet sélectionné. Il disparaît. Attends, les canapés, c'est pas dans l'élément? Peut-être depuis la... Oh god, t'as mis, je vais y arriver. Ah oui, c'est ça, élément de la salle. Canapé. On prend en main, tranquillement le gameplay. Modifial. Ils feront le tour de la terre pour y aller, moi je te le dis. Ok, je sais pas le refaire. Faut que j'essaye. C'est un truc que vous avez remarqué si vous m'avez jamais vu jouer à un... J'ai envie de faire une putain de grosse salle parce que là... On est d'accord que ça a quand même aucun sens... D'avoir... deux cases comme ça que je pourrais pas exploiter. Non, autant avoir une seule case de la mort sur le côté.
semble bon. Ok, je peux la mettre là, je sais pas pourquoi je pouvais pas la mettre ailleurs. C'est bon là, non? Pour moi c'est bon, mais attends, ouais, non, il faut que je mette des trucs là, ça. Ah, god damn it, il y a trop de trucs. Poste d'infirmier, je suppose. Le centre névralgique de toute la salle commune, je vais le mettre juste, regarde. Juste comme ça, là, dans l'angle. Comme ça, le patient le voit pas en rentrant, j'adore. Un petit lit, 1500 balles le petit lit quand même. Hein. Ouf. Bon, on va en mettre deux. On va en mettre deux, une fenêtre, je vois pas pourquoi mettre une fenêtre dans la salle. Les gens se changent derrière, mais les gens se changent n'importe où, je m'en fous. Augmente le prestige de la salle, regarde. Pour ça, ça va être un objectif aussi, avoir du prestige. Ils vont peut-être pas jeter des trucs. Demande de l'eau. Oulala, non. Pour l'instant, rien qui demande des ressources. C'est bon là, non? En vrai, je vais faire le minimum là. J'ai déjà mis un casier, ce qui n'est pas non plus un moindre effort. Alors, par contre, je peux pas valider, je sais pas pourquoi. Construire une salle pas encore disponible. Comment ça, pas encore disponible? J'ai fait tout ça pour rien, c'est. Retirer de la salle. Non, absolument pas envie de retirer de la salle. Placer par avant, d'accord. Il en faut, hein, apparemment, les gens aiment pas se changer au milieu. Vu qu'ils ont le seum, je vais le mettre juste là. Non, je vais le mettre là quand même, j'avoue. C'est bon? Ils sont contents, les bébés peuvent se changer. J'aime pas du tout ces carreaux. Et qui es-tu? Que fais-tu surtout? Oh! Oh putain! Ok. Les salles communes peuvent être utilisées pour diagnostiquer, mais elles servent également à traiter diverses maladies. Ok, en fait, tout sert à tout dans ce jeu. Ça fait trois salles qui diagnostiquent des trucs. Entre le médecin, la salle spéciale pour ça d'ailleurs, qui n'est pas la seule, et ça. Tout le monde diagnostique en fait, c'est la fête. Et je voulais faire quoi déjà? Je sais pas, ça devait pas être très important si... Je sais pas, si je voulais embaucher quelqu'un pour la salle. Un infirmier, je crois qu'ils avaient dit non. J'ai vu ça dans Info tout à l'heure, il me semble. Un infirmier nécessaire. Mais pourquoi t'es là, toi? Je t'ai pas embauché pour ça, toi, si? Je t'ai embauché pour ça, à ce que je sache. Bon, pour l'instant, tu vas faire l'intermittence. Du spectacle. Ciao, loup. Salut, Gnu. Oula. Ça s'est plaît sur les instruits, en tout cas. Toi, t'as pas l'air plus en forme que quand t'es venu, non? Échec. Les chances de réussite étaient 96% et t'as pas été soigné. Ouh. J'espère qu'on te l'a dit pour que t'aies bien le seum. Niveau 4. Du coup, il me faut quoi? Il me faut une plante ou deux, un truc comme ça. Imagine. Fait lui. Ok, il est déjà en train de réparer des trucs. Ouh, tiens, une petite plante à l'accueil, ils vont kiffer là. Regarde. Là, ils kiffent là. Bon, par contre, il faut de l'eau apparemment, mais ça va quoi. Ça pas un trop gros challenge, non, de trouver de la flotte, j'imagine. Recette 14 000, dépense 10 000. Hein. Bon, c'est pas mal. C'est pas trop cruel comme jeu parce que j'ai dépensé beaucoup et j'ai pas été puni comme on peut l'être souvent dans ces jeux. Il se tape la tête contre le bureau, je sais que patient lui. Oh. Attends, une promotion de assistant stagiaire. Pourquoi il est stagiaire, c'est le seul. Assistant junior. Alors attention, c'est là que ça se joue. Hop. Voilà. Attends, parce qu'il y a quelques. Voilà, on peut négocier, je pense, plus précisément. Là. Bon, je peux pas faire plus, mais là ça me semble net. Excuse-moi, j'ai pas le budget pour faire plus. Bien joué, le niveau a augmenté. Bon, je crois que vous avez vu mon type de management. C'est un management. Ce sera l'aridité pour eux, quoi. Clairement, ce sera pas l'hôpital où il faut travailler, mais l'hôpital où il faut venir, tu vois. T'es bien servi, mais à quel prix? Le ministère de la Santé de Toubon County est toujours ravi de reconnaître les mérites des hôpitaux. Récompensé par une étoile. 5 étoiles et toutes ces... Les hostos, ils ont des classements. Y'a pas Goemilio aussi qui a passé goûter la bouffe de la cafétéria? Je vais être dans le guide du routard aussi. Si vous faites mal, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. 169 000 balles. Diagnostic plus 100%, bonheur plus 0%. De toute façon, la tête d'ampoule... Ouais, non. Hein. Tête d'ampoule, à mon avis, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Mettre en vitesse rapide, God bless the United States.
C'est pour ça qu'on peut dire que je suis un radin, je peut dire que je suis... Ah oui, tête d'ampoule littéralement, d'accord. Je m'attendais qu'ils aient une tête en forme d'ampoule, mais non, c'est carrément des ampoules. Alors moi par contre, je trouverais ça très pratique à leur place. Je serais satisfait, tu vois, d'avoir une tête d'ampoule. Apparently, Elixir, your latest product which claims to cure all ills, is in fact nothing but pine scented prune juice. Accepte d'attendre 220 secondes. Mais il attend quoi? Oh, parce que madame fait sa pause, c'est ça? Du coup, il est obligé d'attendre. Ah, bah lui aussi. Ils attendent un diagnostic là, non? Ok, bon, il faut que j'engage un autre ou une autre infirmière. T'es hardcore. Mais t'es nul en diagnostic, non? Je sais pas, et puis t'es Phénéus, attends. Positif, travaille pour des cacahuètes. A de mauvais pressentiments, vas-y, travaille pour des cacahuètes. C'est tout ce que j'aime lire, moi. Quand même, il avait un salaire plus important que les autres, mais bon. Il avait plus de qualifications. Ah bah tu vois, le porte-brochure, on m'avait dit que ce serait un échec. J'imagine bien le directeur de l'hôpital, c'est qui dit ça. Classique directeur. Rendez-vous au bureau du généraliste. Bon, la tête d'ampoule, là. Comment on la soigne, cette merde? Ah, maintenant qu'il y a un nouvel infirmier, c'est bon, là, il va peut-être ouvrir ses portes. Non? Mais en fait, il y a deux pélos déjà dans la salle, là. Du coup, on peut pas en mettre plus. Non, mais attends. Je suis pas d'accord, moi. On va te faire mieux, là, non? J'aurais dû les serrer comme pas possible, Ellie. En fait, j'avais pas compris, moi, que tu pouvais être un nazi dans ce jeu. Maintenant je le sais, c'est bon. T'en faites pas. Je pourrais en mettre un là aussi en réorganisant un peu. Bouais, bouais, bouais. J'en mettre 4, hein, non? Le monsieur se lève du coup. C'est bon le pantouflard là, il va se barrer de mon hosto un peu? Il a l'intention de rester ici auprès de la princesse. Non, j'avoue, il paye tellement cher à chaque fois. Les mecs, je les vois sortir de la salle de consultation, ils sont guéris, ils ont payé 5000 balles quoi. Ah, 500 seulement? Oh, c'est quoi ça? Ils font les données quoi se divertir? C'est pas possible ça. Ils en ont pas assez entre le distributeur d'Anka, le distributeur de soda et le truc à brochure là. Ils ont pas leur téléphone au pire au lieu de faire chier son monde là. Bien trop cher ça de toute façon. Qu'est-ce que je vais mettre là? De quoi s'asseoir, de quoi vivre. Con. Réduit l'ennui, regarde. Un seul ne suffisait pas. World Premier. Par brochure 2. Il faut une salle spéciale pour soigner les ampoules. Ah merde, j'avais pas vu. Tu vois. Ils ont dû me le dire en plus. Ah oui, la clinique super luxe. Ah, clinique super rush. Dévisse les têtes depuis 1999. Cette porte aussi, elle va me saouler en fait. C'est ça que vous me dites? Non, j'aime bien l'idée que ce soit un couloir de la mort pour aller aux chiottes, ça me plaît. Du coup, je vais faire ça, regarde. Par contre, là, je vais pas déconner. Trop gros, ça, non. Je m'en rends pas compte, en fait. Il faut comme place pour les têtes d'ampoule. J'imagine 3 par 3, non? C'est quand même pour une seule maladie qu'on fait ça. On les emmerde. Oui. C'est quoi, ce truc? I went to the Cirque du Parfait recently. I was impressed by how experimental the X were. Tu parles, toi. Carrément, le logo et tout. Looking at the tent wall. Alors attention, j'aimerais bien mettre en place, s'il vous plaît, je vous fais confiance, hein, messieurs généralistes, mais j'aimerais bien mettre en place un logiciel qui fait des captures d'écran toutes les 10 minutes, savoir ce que vous faites juste toute la journée, si vous travaillez vraiment. L'enfer des toilettes, c'est ça, je veux que ce soit une salle, je vais peindre en rouge tous les murs, il y aura à peine de la lumière qui grésille. Merci en tout cas pour l'info, hein, Tommy, bien sûr. Grive impatience, c'est nice, tout ça pour des dépenses de plus de 100 000 dollars. Clairement une architecture avant-gardiste. Oui, le coup du logiciel, je dis ça parce que... Quelqu'un l'a vécu, hein. Ça existe ce genre de logiciel apparemment, qui prennent des screens sur les écrans des employés toutes les 10 minutes. Du coup, j'aimerais bien le mettre en place maintenant que je sais que ça existe. C'est quoi lui? C'est combien je te paye, toi? À guérir un patient. Oh bah c'est bien. Super, tu veux pas en guérir à d'autres aussi? C'est pas ton métier par hasard, tu sais. Ah, fait un stream. Bah oui, bah cool. Genre c'est mon métier. Distributeur de soda. 31, mais alors là par contre les profits sont incroyables.
Donc les dépenses, c'est accurate ça, parce que j'ai déjà une salle qui m'a coûté 20 000 balles, non? Ah, mais il est dévis, vraiment. Tellement de nimp. Pitié, quoi. Pourquoi ils ont tous cette coupe? C'est vraiment, ça fait des ravages, quoi. Bon, t'arrives plus à marcher du coup. Faudrait gyro-stabiliser cette tête un peu là. Elle fait n'importe quoi. Bon, je suis niveau 4, à la moitié réputation plutôt sympa, bonne. Le bonheur des personnes présentes à l'hôpital et tarifs appliqués à la publicité que reçoit l'hôpital. Mais écoute, pour l'instant, on est en décembre, je sais pas quand on a commencé, j'imagine en septembre, non? C'est encore dévisser la tête là. Pour l'instant. Eh ben, on a fini. Hôpital une étoile, ah non. Félicitations au ministère de la Santé Two Point County a attribué une étoile à votre hôpital, une sur trois possibles, c'est déjà ça. J'ai repêché votre dossier dans la poubelle, on va pouvoir célébrer ça. Ah, mais c'est pour ça le truc des étoiles, d'accord. Lower Bullocks, mais je vais continuer un peu. Donc Lou, en fait, il y a eu trois étoiles. Merde. Non, j'ai pas fait exprès. J'ai vu un truc, j'ai cliqué dessus. Watch out for the gathering of druids down at Grogben's Ring. Ah, bullocks. In a total coïncidence, the town will also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely. Mais du coup, c'est quoi si je... Est-ce que je peux reprendre où j'en étais? Ah oui, on va continuer un peu jusqu'à deux étoiles au moins. Je pensais pas que ça allait être comme ça en fait le truc des étoiles. Donc les gens qui n'ont pas toutes les étoiles ne sont pas faibles en fait, ils ont juste eu la flemme. Obtenant des étoiles pour nos hôpitaux, notre organisation est kudosh, on dirait une espèce de monnaie de du bloc de l'Est là. Yes, j'ai compris ça, tête d'œuf. Gratuit. Bah ça se repose bien hein, Géraldine. Denise, pas loin. Même catégorie de nom, qu'est-ce que tu fais là toi? On sait très bien ce que t'as, y'a pas besoin de diagnostic là franchement. Je vais nous faire économiser à tous de l'argent. Moi je te vois, hein, je sais déjà ce que t'as quoi. Oh! Ah mais là il y en a qui sont les seuls dans leur catégorie, non? Alors qui ça va être? Je les connais pas encore de toute façon. Kimmy Plum. On lui donne... Mais non! C'est quoi ça? C'est... J'ai pas autorisé hein, les remises de prix. Ça, ça s'est fait sans comprendre. Ah putain, mais... Ah non. Ça va le chat? Vous êtes là? Attends, parce que moi j'ai mon chat là, il se passe plus rien depuis un moment. Je sais pas si c'est normal en fait. Peut-être. C'est jamais trop dans ces cas-là. Jambo Megacorp. On est là, ok. Vous êtes juste mort en fait. Chelou, pourtant ce stream, ce jeu, y'a personne qui l'a streamé avant moi. Bon, je pense à m'en foutre là, non, je vais faire ouvrir tout, ça n'obtient rien. Employeur de l'année. We are here to serve your highness. Ouh, Xanagi. Bonjour Xanagi. Voilà de quoi remettre à sa place la plaie voilà. Qui se croit fidèle. Ça manquait de mauvaise humeur sur ce stream. Merci pour les 2 ans. Bon, de toute façon, tu l'as teasé sur Twitter, mais voilà. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que tu vas mal. Et Lorib, merci. Pour ta présence. Je sais pas où je partais avec cette phrase. Ça va bien, en tout cas, merci de demander salut Ophélie aussi. Je m'en fous, ça, non? Tout ce que j'ai vu, c'est par contre, ça allait me coûter de l'argent, par contre, non? Non, non, par contre, non. Par contre, non. Forward, kudosh. Très bien. Mais il s'ennuie, mais j'ai rien. Il faut que je débloque des trucs, en fait. Ah, le poster tête d'ampoule. Ah, mais non, c'est la merde, ça. Monte l'hygiène. Non, moi j'ai un truc. Divertissement. Et présentoir à brochure, mais on a soupé. Une bibliothèque, c'est de l'amusement pour toute la famille. Non? Oh, les revues, c'est moins cher, c'est très bien ça. Téléphone. Alors ça vaut rien ça. Tous les appels sont enregistrés pour notre amusement. Ça vaut rien, du coup ça me plaît. Beaucoup. Un peu plus gros par contre le téléphone s'il vous plaît. On est dans quelle époque là sur ce jeu d'ailleurs?
Je vais en mettre deux. Un de chaque côté parce que j'aime bien la symétrie. Et c'est pas symétrique du tout. Ils sont contents là? Oui, il va falloir que je dépense encore plus. Ouais, j'avoue, je vais prendre la bibliothèque aussi. Est-ce que je le mettrais pas dans la salle de je sais pas quoi là? Non? Non, parce qu'il faut que ce soit pour les patients en fait, n'est-ce pas? Écoute, ils vont commencer à ramener leur cul par là, hein, les patients. Il n'y a plus la place de l'autre côté de toute façon. Et comme je suis grand seigneur, genre vraiment immense seigneur, plus grand des seigneurs, j'en mets deux bancs avec. C'est sur la maison. Guérissez 25 patients, gagnez 200 000, il vous reste 138 000. Putain, ça allait vite déjà. Faites passer l'hôpital au niveau 6. On va continuer d'investir là. C'est le seul moyen. La piscine est bonne, les glaces aussi, la chaleur reste élevée. Ça va mieux quand même là. Enfin, à Lyon en tout cas, ça va mieux depuis cette semaine. Hein. C'est plus frais, c'est très agréable par rapport à la semaine prochaine. Semaine dernière. Mais peut-être la semaine prochaine. N'écartons pas la possibilité. Salut Lucas. À quoi de nouveau par rapport à Thème Hospital? Alors là, je saurais pas te dire. Du tout. Je suis même pas sûr d'avoir joué. Si j'ai joué, c'est il y a tellement longtemps que... Pour l'instant... Le truc il tourne, hein. Par contre, j'engrange une thune incroyable. Donc il faut peut-être que j'investisse, non? Je me fais plaisir. Qu'est-ce que ça change si ça soit violé? Augmente le confort. Oui, d'accord, mais... En fait, qu'il soit violet ou rouge, je pense pas que ça change. Réduit la température. Alors, vu l'espace qu'on a, à mon avis, il fait froid. Mais... Ah, distributeur à bonbons, non. Un petit yucca là. Ne demande pas beaucoup d'eau. Regarde là, hop, parfait ça. J'adore, dès qu'on. Il y a des mots magiques hein, qu'il faut me dire, moi. Bon, je vais mettre un là, tiens. À côté de la poubelle là. Et puis regarde, les gens ils ont peur quand ils vont dans la salle là, du coup. Hop là. Les encouragera peut-être à aller dans la salle de repos à ces salauds. Bon, ça vaut vraiment que dalle, ça je peux en mettre de partout, sérieux, dans le stone. Non. Bon, je mets sur les angles où il n'y a rien. Mais bon, c'est pas grave, ça marche aussi, ça marche aussi. Tellement plus à place de rien mettre, tellement j'ai optimisé là. N'importe quoi. Merde, juste là. Là, je pourrais me faire un petit coin là, tu vois. Un petit coin sympa. Ça paraît de gens normaux là. Ils seront contents, les patients là. Hop là. Regarde là, hop. Ok. Est-ce que c'est des vrais artistes là? En vrac, Julia. Parce que chaque fois c'est quelque chose de différent, mais. Mais attends, le couloir des toilettes. Non. Les toilettes, on a dit que c'était un cloaque putride. Je reviens dans 20 minutes, et bah à toutes. Dans l'Hérault, ça reste chaud. Et rip. Bon, après, je dis pas qu'il fait frais à Lyon non plus, mais c'est mieux que la semaine dernière, quoi. Puis la fin du pic de pollution, je pense que ça joue aussi, parce que c'est moins. J'ai l'impression que c'est moins lourd. L'urgence, c'est la pharmacie. Chair de poule. Ah! Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils se fassent diagnostiquer déjà, et puis après, je pourrais faire leur truc. C'est ça? Il me semble que c'était ça tout à l'heure. Le mec se fait diagnostiquer, puis après, j'ai eu l'opportunité de faire la salle. Il est où, chair de poule, là? Je veux voir sa gueule. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui arrive, là? Il fait chaud? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est de toilettes, mais attends, il y en a 1000 là. Ils vont pas se pisser dessus quand même, c'est des docteurs, je veux dire. C'est incroyable, si eux ils comprennent pas comment fonctionnent des chiottes, je sais pas qui c'est qui va comprendre quoi. Faut montrer la voie, hein, les gars. Après, je peux faire des portes qui mènent d'une pièce à l'autre, mais c'est quand même pas très gracieux, non? Enfin, je sais pas, moi si la porte mon médecin il donne sur ses chiottes direct, je serais un peu inconfortable quoi. Tu fais ta chimio à côté, t'as les chiottes, t'imagines? J'imagine très bien en fait, il y a des chiottes dans les pièces, mais bon. Je sais pas. C'est pas dans mon hôpital en tout cas. Dans mon hôpital, faut faire un voyage, tu vois, pour y aller. Il faut le mériter. Alors, qui c'est qui a la chair de poule là? Personne pour l'instant, faut croire. De toute façon, on va le voir arriver, non? Il sera en loup-garou ou je sais pas quoi.
où il aura juste un chair de poule avec lui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous? Ah, c'est la pharmacie. Ah, c'est la pharmacie. Le problème de la pharmacie, c'est que il n'y a pas de problème en fait. Je vais en mettre un deuxième. Je peux en mettre un deuxième? Oh non, c'est un par pièce. Faut qu'ils se sentent chez eux, et tête d'ampoule les pauvres. Bon du coup il faut que je fasse quoi, que j'en fasse un autre? Peut-être que la salle est pas assez longue et ça les dérange tu vois. Cette salle y a rien dedans, y a zéro fourniture. C'est ouf quoi. En plus ça rend tellement inconfortable je trouve les salles comme ça. Bon là j'avais dit que ce serait autre chose que ce que ça va être mais bon. Pas le choix, j'ai envie de te dire. On va se faire une autre. Ou alors je me fais une pharmacie géante de ouf. Et celle-là, ça devient autre chose. Voilà, ça pourrait être quelque chose en fait. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on va se faire un. La pharmacie. C'est nimp, non? Non, c'est pas nimp, je vais le faire, j'ai des rêves. J'ai des rêves et il faut que j'aille jusqu'au bout. Je peux en mettre 50, non. Si je peux en mettre qu'un seul, par contre, ça sert à rien. Ah ouais, non, mais non. Regarde là, hop. Effrayé par un fantôme. D'accord. Ça me stresse quand l'autre il parle, je me sens attaqué. Du coup, le fantôme. Enfin, Ghostbusters, c'est ça. Mais oui, c'est ça, j'y ai pas pensé. On est à 63 sur 90 jours, là. Bon, ça va pas le faire, non? Faut y aller, les gars. Allez, cours. Speedrun. Si, c'est bon, ça va le faire. Tranquille, j'ai pas besoin de dépenser de l'argent. Yes! Ça, c'est très très bon, ça. Alors, c'est quoi, là? C'est les finances, hein? Vue d'ensemble. Est-ce que ça va? Plus 9%, plus 3%, 6%. Revenus, dépenses, d'accord. Oula, il y a tous les relevés de compte et tout là, ça me plaît ça. Moins 12 000, qui c'est qui a fait ça? Salaire du personnel, oula là, ça coûte rien du tout. 12 000. Pourquoi ils ont pas mis des vrais chiffres? Ils ont mis moins pour que les gens comprennent les chiffres, c'est ça? Qu'ils soient pas trop dégoûtés de la vie aussi. Ok. J'ai des mails. Patient décédé. Ah. Ah mais c'est lui qui entre l'hôpital. Ah ouais non mais il faut vraiment un Ghostbusters en plus. Ouais moi c'était pour rire. Bon, bah il faut un Ghostbusters apparemment. Ok. C'est lui. Laurent, c'est elle. Non lui. Pas Laurent, c'est Laurent. Faire un agent de maintenance, détecter et capturer les fantômes. J'ai besoin de toi. Capture-moi ça. Alors, comment ça marche? Oh, c'est avec un aspirateur! Avec un Dyson. Bon, c'est plutôt un truc des années 90, là, mais... Vous parlez de ventilo, là, non? J'ai même pas besoin de remonter assez haut. Vous dites que ça fait du bruit. J'en ai aussi le ventilo, je le mets pas, parce qu'effectivement, c'est infernal. Enfin, je le mets pas la nuit, quoi. Si vous en avez quelque chose à foutre de ma vie. Sinon, j'ai des torticolis, ça fait mal au cou et tout. Toujours niveau 4, là. Il faut que je fasse des trucs, non, pour le stow, quand même. La thune est là, hein. Je pense qu'il faut juste la dépenser. C'est une question de dépense, à ce niveau-là. Ça va. Posture hors champ. Dans des pièces qui n'ont rien à voir avec le délire, mais c'est pas grave, ça me plaît. En fait, ça vaut tellement rien que ça donne envie de spammer, quoi. Ah,
Magnifique ça. Il est beau cet hôpital. Gnon gnon gnon. L'entrée. Je peux vraiment le mettre avec ça? Non, quand même pas. Quand même pas. Et guéris 50 patients. Nice. Réputation qui monte là. Il monte le jeune docteur. Où s'arrêtera-t-il? Le sommet seulement. Ça, je peux pas débloquer pour cette mission, je pense. La chaise. Non. Oh, j'ai cru que j'allais connaître là, mais non. Ouais, chio, tranquille. Capuchu, merci pour les 20 mois. Ça fait plaise. Oh, une tête d'ampoule. Mais tu vas te faire diagnostiquer quoi, toi? Ça, c'est ouf, tu sais. Tout le monde le voit. Il pète dans mon hôpital, là. Chio qui arrive et ça pète dans mon hôpital, y'a pas de hasard. Tu fais quoi? Ah bah vas-y, prends le temps, hein, c'est pas grave, hein, t'as juste une putain de tête d'ampoule. J'aimerais revoir s'il vous plaît cette animation. Aucun sens. Bon alors, je fais quoi là? Je laisse voguer ma barque ou... Inspecteur de la santé, bah vas-y visite, hein, je viens de mettre des tableaux, tu seras content. Ça t'énerve qu'il y a rien? C'est un style, c'est esthétique. C'est très bien, non? J'imagine. Ah oui, il fait des signes avec les pouces, là. Il est content. Il est très content. Ouh, Arius, comment tu vas? On t'a trash talk tout à l'heure, je tiens à dire. Enfin, pas moi, mais d'autres. J'espère que tu vas bien. Bienvenue, bienvenue. Et quelle est la raison de ton absence? Je vais me vautrer au fond de mon fauteuil, les jambes sur le bureau, le clavier sera trop loin. Motorway Night. Attends, j'attends, hein. Franchement, il n'y a pas trop de fils, enfin, il n'y a pas trop de queue et tout, donc j'ai pas de quoi faire à part spammer des plantes et des merdes. Sérieux quoi? Il y a une autre poubelle ici, là. Puis une dans les chiottes serait pas mal. Chiottes les plus sommaires du monde, quoi. Il n'y a pas d'évier, rien, tout le monde s'en fout. Là, il va pas dire que c'est bien. Ah si, il est content, il dit que c'est très bien. Hein. Ok. J'ai vu des chiottes, il est dénué de quoi que ce soit. Enfin. C'est vétuste. Modifiable. Sèche-main, lavabo, très bien ça. Lavabo le plus gros du monde, bien sûr. On se sèche pas les mains chez moi. On se les sèche ici. Ce qui est très pratique. C'est comme ça, s'ils sont pas contents, c'est pareil. Je vais mettre un extincteur dans les chiottes au cas où il y a un kamikaze. J'ai envie d'exploser. Merde, il y en avait un là. J'ai envie d'exploser mes chiottes. Mettre un lance, si jamais des fois le lit prend feu. Non, hop. Ah oui, mais là c'était encore dans la salle, soi-disant. Bah non, non, je veux pas interrompre. Ok, ça me va. Soi-disant, je faisais pour la salle, mais non, en fait, j'ai fait n'importe où ailleurs. Repas familial comme chaque jeudi. J'en parle à ceux qui montrent à chaque. Ah ouais, personne t'entra à chaque, sauf moi qui fais 2-3 blagues. Sur le fait que t'étais pas là, principalement. Arrêtez de faire des Wingardium Leviosa. J'ai l'impression qu'il est toujours pété ce truc là. Heureusement qu'il y a ma Ghostbusters préférée qui est là. Qu'est-ce que c'est que ça, la tête de dindon, c'est nouveau ça? Ah putain, la référence! Pas trop dur à avoir celle-là de référence. Hein. C'est un crabe de tête, Krabby Krabo. Merde, j'aurais dû regarder ce qu'il disait l'autre, archive. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il attend quoi? Il attend sa promotion. Attends, regarde. Encore une fois, on va se gêner, tiens. Et lui, il demandait quand même beaucoup, hein. Regarde ce qu'il demandait là. Non, non, non. Combien je peux payer au max? Ah bah il est content, bien sûr, si je le paye 60 000 balles. Enfin, rien. C'est peu lui. Pour la peine, je vais passer ma souris. Faut savoir que je le fais, ça. Je vais passer ma souris en sensibilité minimale. Pour le niquer le plus possible. Parce que j'aime pas du tout l'attitude. On peut pas faire 1430 là? Non, bon. Tant pis. Je voudrais bien aller dans Windows, réduire la sensibilité pour réduire encore plus, mais bon. Ça c'est pas mal, je suppose. 4 sur 4 des 5 patients. J'ai pas réussi du coup, non? Il me semble. Enfin, je sais pas en fait s'il y a des seuils de réussite ou si c'est soit tu réussis, soit tu échoues. Il y a un français. Une grenouille. Guérison totale. Les chances, c'est 82% quand même, dans la guérison. Les patients et le personnel ont besoin d'aller aux toilettes et particulièrement... En particulier... Mais oui, mais il y a des chiottes là, je vais pas en faire 100, non?
Là, je peux faire des petits chiotos, mais bon. Il y va, là, il est content, lui. Il est 21h, je commence déjà à être fatigué, quoi. C'est radra d'un an. N'empêche, dans les chiffres, regarde. Du coup, ça marche bien, quoi. Tout fonctionne bien, avec ma gestion. Je sais pas ce qu'il faut faire pour avoir 2 étoiles. Oh. Oh. Je vais rajouter des trucs de partout là, tiens, faire de l'attrait. Je croyais que j'abusais à spammer, mais en fait, apparemment, si t'en mets pas partout, ça marche pas. Les chiottes sont pas attrayants. J'ai envie de vous dire, c'est des chiottes quoi. Commencez pas à me gaver avec ça. Tiens, au milieu de la pièce, une plante. Magnifique, une plante. Juste là, une plante aussi. Alors, il est pas attrayant mon hosto. Bon, là, il est pas attrayant ici, mais bon, ça peut être allé, non? Tiens, un fantôme encore, saloperie. Ah, hôpital 2 étoiles, c'était seulement marqué là depuis tout à l'heure. En fait, j'embauche pas plus de mecs parce que j'en ai pas besoin. Mais je peux les former apparemment. D'accord. Il est pas là, faut croire. Lui, il est pas content là. Oh, lui, il est pas content. Eh bah putain, il en faut beaucoup pour être content, ce fasciste là. Tiens, hop, il va être content là. Rendez des débiles. J'ai oublié qu'il s'appelait comme ça. Pas contente! Alors l'erreur que je fais là, c'est que je les augmente alors qu'ils m'ont rien demandé. Et ça, c'est un coup classique à ne pas faire. Point truc qu'on apprend en startup où on meurt. Les Ghostbusters, il est content lui. Faut croire qu'il est content, 10 000 balles par an. Grand bien lui en face. Ça, c'est un employé que j'adore. Promouvoir, non. Remarque, je peux. À quoi ça servirait? Agent de maintenance junior et l'autre, elle est où? Avec ses cheveux gris, serait temps qu'elle soit promue, non? Vas-y, je la prends. J'ai une petite promotion là. Je fais une promotion où je t'augmente pas ton salaire, ça te va? Attends, je fais une promotion où je baisse ton. Ah non. J'augmente ton salaire de. Scandaleux de pouvoir faire ça. Mais c'est réaliste. De 100 balles. Même pas 100 balles, tiens. T'es contente? T'as une petite étoile, du coup, un petit badge que tu peux mettre sur toi. Ça suffit, non? Franchement, ça va être refait, ça, dans ta journée. Bon, c'est juste à titre honorifique, hein, parce que encore une fois, t'es pas mieux payé ou quoi, mais t'as pas plus de responsabilités, mais bon. Si ça te va, moi ça me va. Bonus arrosage, mais de toute façon, pour l'instant. Oh, remise des prix de la santé. Encore quoi, y en a combien par an? Qui c'est là? Je sens. Johanna Mojo. J'ai mis une pullover. Ça, c'est moi, l'ampleur de l'année en même temps. Rien envie de te dire. Oula. Fast. Ah mais c'est les gens qui travaillent ici qui vont regarder les tableaux et te foutent de ma gueule. C'est pour les clients ça. Nanana. Tu révises pour tes... Bah, bonne chance, écoutez. Ceux qui révisent, les rattrapages ou je ne sais quoi. Ouais, la réputation des soins est quand même bien à chier, hein, si je peux me permettre. Pour le ciment, ça va. Réveil difficile, tête d'ampoule, ça va aussi. Mais alors les autres, c'est la déchéance, quoi. C'est la S, hein, comme on dit. Bon, finalement, je vais me refaire une autre pharmacie. C'est quand même intéressant, ça, non? 3 par 3. Pas besoin que ce soit plus grand, hein, de toute façon. Je peux mettre qu'un seul truc, donc... On va se permettre les folies les plus grandes. Et s'il veut faire un test de vue pendant qu'il y est, moi ça me dérange pas. If you're feeling ill, the last thing you want to do is pump your body full of cheap artificial medicine. Ouh, Calus, ça va? Tranquille? C'est qui a passé le bac là cette année? Parce que l'année dernière il y en avait pas mal, mais maintenant du coup, dans la communauté. Comme c'est une communauté où on a rarement des nouveaux, t'as de moins en moins y avoir de gens qui ont besoin de passer le bac.
Marié sans le moindre souci, c'était quoi déjà tes études, attends. BGG. Sortez de mon hôpital. Ça s'appelle la musique. Ah, l'hôpital ne couvre pas ses dépenses. Mais comment j'augmente mes bénéfices en fait? Bah là ça va pas du tout, là on est à moins 11 000 parce que j'ai acheté cette merde, c'est ça? Il manquait de live humoristique depuis Kingdom. Alors Ado a passé le bac de français. Ben GG à lui. Enfin j'espère qu'il a passé et pas juste qu'il a fait l'examen. Oh Nilictis. Pas tranquille? Moi ça va. Ça va, j'espère que tu es en bonne convalescence. Je vois que t'as repris plein de trucs là, je sais pas comment tu fais. Obtenir ma licence SVT, à moi le master en septembre. Eh ben GG. Sublime! Maître. Oui, alors là, du coup, il n'y a personne, donc forcément, il risque pas de bien tourner. Mais il faut encore que j'embauche quelqu'un, du coup, et ça, c'est terrible. Liste du personnel. C'est infirmier, on est d'accord? Mais c'est tellement chaud, lui. Traitement en salle commune, alors non. T'es une merde, toi! T'as rendu compte de ça que t'es une merde quand même ou comment ça se passe? Genre t'es vraiment une grosse merde verte. T'as quel âge? Pour être une merde aussi grosse. T'as l'air d'être vieux en plus hein, donc tu vas pas progresser quoi. Bon elle par contre elle est trop chère. Trop chère pardon. Je vais pas négocier sérieux. Nigel Transformers. Pitre. L'hôpital de Striker 25 possède valeur de l'hôpital 900... Non on va l'éclater Striker 25. Quelqu'un de ma liste d'amis. Ça peut durer longtemps ces conneries. Bon allez je prends elle parce qu'on veut que le meilleur ici. Ah mais il y a quelqu'un là. C'est un médecin en plus non? Qui s'en est chargé? Aucun infirmier. Ah oui non mais c'est là. Putain j'ai bugué là. Je sens bien que c'était un infirmier quand même non pour la pharmacie. Dans ce jauge. L'autre il me dit des astuces, j'ai jamais le temps de les lire donc c'est génial. Et j'ai 35 jetons de Caluse. Caluse et cuir. J'ai pas mal l'usage des bras, alors je fais comme d'hab. D'accord. Tant que je dois pas lever plus haut que mon menton. Oui, mais ça, tu le faisais pas avant non plus. Lever les bras plus haut que ton menton. T'as pas besoin de ça. Ça suffit, t'as juste besoin d'être devant l'ordi pour faire des streams, quoi. Bon, Liuka, là, il est pas très bien, là. Il faudrait un truc pour l'arroser, mais... Un agent de maintenance pour arroser Liuka, mais ça va, les pauvres quoi. Non? Pas les pauvres? De toute façon, elles valent que dalle ces plantes. Moi je les vire direct. Celle-là elle est dead, non? Ah non, il l'a arrosé, je le vois. Effectivement, il arrose, magnifique. Elle arrose. Il ou elle déjà? Laurent Chaupier. Bringing talk, music and news to the whole of Two Point County. And if you're listening to us from the newly opened hospital, volume, because nothing drowns out the sound of sick people like the voice of a world-class DJ. Coming up next, 42 hours of music from the background band. Enjoy. The background band. Alors intéressant ce que tu me dis Nictis là, du coup hop là, un petit extincteur ici, ça ferait pas de mal. Un là aussi, regarde, juste à côté de l'entrée, cas où il faut assommer un patient qui essaye de s'enfuir. Alors ça peut pas prendre feu, y'a rien dans cette salle de repos, c'est incroyable. Hein. Elle est bien cette salle de repos. Lisez dans la salle de repos. J'aime pas trop mettre des trucs de détente parce qu'après ils vont passer leur vue ici, là, leur vie ici. Donc je suis vraiment pas pour, mais bon, tu vois. Enfin, excuse-moi, moi j'ai pas de salle de détente quoi. Salut Kopo et Yamat, tranquille. Qu'est-ce qui veut se faire augmenter de 50$ encore là? Ben voilà, c'est une affaire qui roule là. C'est quand même facile hein, de monter un hostos de Nanvi quoi. Que du profit direct. Bon, je suis niveau 5, je suis presque niveau 6. Hein. On a presque la deuxième étoile et je pense pas qu'on fera la troisième, non, on va essayer un autre challenge après. Pas que ça change grand chose, non, j'imagine. Je sais pas, en fait. On aura d'autres objectifs, non? D'autres objectifs. Tu vois, le problème c'est qu'il y a des trucs que j'ai. Qui sont bloqués quoi. J'aimerais bien jouer avec les jeux d'arcade à 500 000 dollars.
En vrai, c'est juste pour débloquer le truc, mais bon, quand même, ça me paraît un peu cher. Tapis spatial, surtout 500 000 balles. Tu dois dans le cul, c'est pareil, non? C'est pas une vraie expression, je viens de l'inventer. Ça aurait pu. Les têtes d'ampoule, ça défile. Eux, je crois que c'est mon... Si je vais vérifier, je pense que c'est ceux qui me rapportent le plus de thunes. J'aime bien, eux. Oula. Attends. attends. Oh! Alors, qui c'est que je nique? Presque tout le monde, hein? Finalement, là, en taux de guérison. Ouais, et il y a bien que ça qui compte. Ouais, non, il y a que ça qui compte. Emprunt en cours, 0$. C'est très bien. Morale du personnel, ça va, non? Alors là, par contre, on n'est pas content. C'est qui, c'est réceptionniste? Assistant. Je crois que c'est réceptionniste. Politique de pause. Non. Ils n'ont pas de pause. Mais... Durée de la pause, 20 jours. Mais ils vont pas en prendre deux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te dérange? Alors t'es pas content de ton salaire, ça commence à me gonfler ça. Bientôt tu vas pour être promu là, pourquoi je peux pas te promouvoir? Je sais pas. Alors dis-moi combien il te faut et je te donnerai. Abuse pas par contre. Merci. Alors attends, je baisse ma sensibilité de souris. Bon, ça ira, je suppose. Petite augmentation pour lui. Ça lui fera plaisir, ça fera plaisir au gosse. Salut Soki. Ils arrêtent pas de me dire ça là. Machine pas entretenue, mais ça va non? Ça va pas prendre feu, tu vois? Ah bah si les chiottes explosent, par contre là, je sais pas quoi te dire. Hygiène, ça va. Et il y a personne à la réception. Est-ce que je prendrais pas un autre assistant quand même, non? Pour soulager un petit peu l'autre. Qui a l'air en PLS, non? Surtout s'il prend des pauses de 20 jours. Ça vaut rien, non? Ouais, ça vaut que dalle! Je vais prendre lui parce que c'est la crème de la crème. Non? Ouais. Benji marathon. Marathon, ça me plaît, c'est-à-dire que je travaille beaucoup. Fin ravageuse, gymnase de salon à mi-temps. Ah putain, mais ça a des malus et des bonus, ça! Bonheur moins 10%. Amuse les gens avec ses pas de danse incroyables. Parce qu'on lui demande d'amuser les gens à l'hôpital, mais bon. Écoute, ce que je te dise. Lui, il a quoi, lui? Hygiénique. Hygiénique ta mère! Travaille plus longtemps avant de prendre une pause. Alors là! Là, ça me parle. Parce que les autres compétences, on peut les développer, mais ça, c'est dans le sens. Hein. Du coup, t'as rien à foutre là, ça. C'est bon, il remplace. Du coup, il se gratte le dos et regarde les tableaux là. Parfait. Allez, niveau 5 là, faut que ça défile. Faut que ça monte. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux faire rien. Ah si, je peux débloquer les trucs là. Poster de la pyramide alimentaire quoi. Le marmitette. Putain, j'ai hâte de voir là, cette maladie. Mais on se spoil toutes les maladies là, faut pas regarder. Dessin. Horloge. Non, ça c'est terrible. S'ils savent quelle heure il est, encore une fois, on a perdu. Il faut pas qu'ils sachent. Comme un casino. Ça, je voudrais ça. Cheveux. C'est typiquement un truc qui sert à rien, qui est chum, mais mon cheveu. Hop, au-dessus du bureau du médecin. Et puis là aussi, toi aussi tu l'auras, sinon ça va se battre. Horrible musique. Enfin, j'attendais pas un autre style de musique, mais c'est juste que là, elles sont infâmes, non, un peu quand même. En toute honnêteté. Si, c'est facilement le genre de jeu où tu mets ta musique par-dessus, mais bon. Mais quand même des jeux de stratégie où elle est cool, la musique. Salle de formation. Alors, j'ai débloqué ça? Non. Pour l'instant, j'ai rien. Tu sais, c'est la première... C'est la première mission en fait. J'essaie juste d'avoir deux étoiles sur la première mission, ce qui prend la vie des rats. La vie d'Adèle. Mon montage avancé bien et la drame Mega Stream. Clairement les bénéfices actuels, j'espère que. J'espère qu'il y a des investisseurs quoi. Yes, je suis sur la télé des gens. Ça c'est magnifique ça. Est-ce que Goupix regarde? Et Henri au travail qui se ramène. Inspect, y'a rien à...
Les mecs, ils ont des chauffeurs pour venir à l'hôpital, t'sais. L'inspecteur de la santé Henri au travail arrive à l'hôpital, ça fait 15 minutes qu'il arrive. C'est lui ? C'est lui. Petite pute Henri, je t'ai pas oublié depuis la dernière fois. Je peux pas enquêter sur les mecs et... Moi, je vais faire un mode de ce jeu. Mode adulte. Je peux corrompre tout et tout. Conditions at the Rotting Hill Hospital are getting worse every day. Apparently, patients are just as likely to die from sinkholes and falling ceilings as any diseases. At least that'll keep the queues down. Non, c'est bon. Oh putain! Ils sont tous contents là. Non, c'est tout bien là. Enfin, les mecs, ils ont des réveils difficiles, ils veulent aller à l'hosto. Moi, je leur mets des coups de tête à ceux-là. J'ai mal à ma sécu, quoi. Ciment, 100% oui, de guérison, mais ils sont quand même pas contents apparemment. D'avoir quoi? D'avoir saigné mon lumbago? Pourquoi saigner le lumbago? Soigner, tu veux dire? Pas de soucis! Tu reviendras, j'espère. Je sais pas ce que je fais avec ma table de son là. Ok, c'est bon. Et puis, qu'il préfère quand on joue à FIFA? Clairement, il tape la ballon. Mais du coup, il est malade, il disait que les gens ils crevaient. Non, c'est bon, c'est tout bon là, les têtes d'ampoule, ils sont contents. Crabe de tête, t'es un gîte. C'est nouveau ça. Une forme rare de crustacé parasite. Ah oui, c'est la tête de Half-Life 2 ça. Le comète, une forme de réveil difficile. La machine va prendre feu. Non, c'est bon, t'inquiète, j'ai mon meilleur homme dessus. Le sous-smicard, qui est content d'ailleurs. Enfin, qui survit quoi, comme nous tous finalement. N'empêche, ouais, les profits, c'est... Je pense que les courbes sont assez sympas, là, non? Ouais. Là, ça vaut le coup d'avoir des actions dans ce sto, hein. Je vais le mettre en bourse. Je vais être riche. Là, ça va, quand même, en... C'est quoi, c'est... Ça va, hein. Putain, ce motion design de ouf, là. Rends-moi ça. Magnifique. Boneless courbe. Rapporte profit... La verde il y a 3 mois. Ouais, non, mais là j'ai fait des investissements, tranquille. Non, mais ça va, c'est solide, hein. On dirait une main, ça. C'est creepy as fuck. Satisfaction de la rémunération, on est à 45%. Morale du personnel, besoin, hygiène. Mais encore une fois, les mecs qui viennent pour se restaurer et pour pisser juste à mon hôpital, enfin qu'ils aillent bien se faire foutre, quoi. J'ai envie de dire. Ça va. Les gens de maintenance en plus. Non, mais là je fais des profits, c'est ça qui vous rend pas. J'ai envie que ça continue comme ça. Genre de maintenance, j'en ai 2, ça suffit quoi, ils sont bien payés en plus. Ah merde, t'es pas contente. Alors, excuse-moi. Laisse-moi t'augmenter. Eh mais ça va là. Oh. Possible ça. Voilà. Et tu acceptes que je mette le logiciel de capture d'écran. Quoi que toi, t'auras pas de soucis. Ah mais elle, c'est ma Ghostbusters en plus, il faut qu'elle soit... Qu'elle soit contente. Qu'est-ce que ça fait quand je vais là-dessus? Oh mon seigneur, c'est comme Rimworld là. Ça me stressait tellement ça. Ah oh, ça c'est horrible. Je déteste, hein. Finalement. Bon, de toute façon pour l'instant... Je vais te dire... On est que deux et... C'est pas comme s'il y avait beaucoup de trucs à partager là. Ah mais ouais, ça va, bon, ça va être infâme. Bon, cette fois tu me redonnes une étoile là, ça. Tu me donnes une bonne note dans le Figaro. Vous avez guéri 100 patients. Où est-ce que je peux voir du coup le taux de vie et de mort de ma main? Ça peut être là, ça va être plus dans les... Non, pas dans les finances. Non, pas ça. J'avais des cas avant et là j'en ai plus que 10. C'est pas des dollars, c'est vraiment des cas. Je croyais que c'était genre 500 000, tu vois, 50 000, 75 000, mais en fait c'est vraiment des cas. D'accord. Bon, bah j'ai acheté de la merde alors avec. Pouraf quoi, j'aurais jamais dû acheter toutes ces chiasses avec ça, c'est tellement précieux. Oh là là, bon, il a dit quoi l'autre, l'inspecteur là, que c'était le feu. Défi tête d'ampoule, vas-y, prends-le. Tête d'ampoule qui arrive. Minimum Hospital, c'est ça. Hôpital de Schlag. Waouh! Un hôpital startup, c'est ça en fait.
C'est ouais. Non, c'est comment on appelle ça déjà ? C'est un incubateur en fait, un médecin. Les gens ils viennent travailler ici, tu vois. Après ils s'en servent. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, je veux voir. Toujours pressé. Qui c'est qui a été élu quoi ? Je m'en branle. En fait, j'ai menti. Rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est que ça me coûte de l'argent. Il va falloir commencer les guerres. Si on ne guérit pas un par jour, je suis pas content. Au moins un tous les 10 jours. Ça va pas du tout là. On s'en branle des têtes de crabe, il faut guérir les têtes d'ampoule. En même temps, j'ai qu'un seul truc à ampoulier là. Est-ce que je prendrais pas un autre ampoulomètre ? Je prends un autre ampoulomètre. Clinique super luxe. C'est putain de cher la clinique super luxe. Super Velux, du coup hop. Je fais exactement la même pièce, ils sont contents. Par contre, un agent d'entretien, c'est trop cher. Bienvenue dans le monde. Bienvenue dans mon monde. Alors ça, ça a besoin de moins d'eau, c'est ça ? C'est parfait, ça. Le moins d'entretien possible. Et les posters de Rorschach, tiens, ça attire le regard. Magnifique. Petit poster de la vue, encore une fois. Les patients, ils aiment bien se tester leur vue en même temps que... Hop. Plus de musique, je... Qu'est-ce qui se passe ? Je mérite plus la musique ? Oula. Ouais, c'est ça en fait, c'est juste ça. Je pensais que les coups de dosh c'était pas la... pas ce qui me servait pour débloquer des trucs là, mais en fait si. Yes ! Comment je l'ai niqué, Striker 25 là ? C'est incroyable là par contre. Qui dose parce que je vais niquer comme ça, y a rien qui peut m'arrêter maintenant. Hein. Sky is the limit. Alors par contre, attends, il me faut un truc là. Qu'est-ce qu'il travaille ici déjà ? Et combien ça coûte ? Qui travaille ici ? Pour quel prix ? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu peux pas quitter ton bureau et venir ici, c'est pas comme ça que ça marche un hôpital. C'est les médecins qui font du zèle, là. Embauchat, là. Oui, je m'y pose, moi, on s'en branle. Mais... Non, on s'en branle pas parce que le temps est compté, là. Et de l'argent, en plus. C'est quoi, ça te diagnostique bien, ça, non ? Regarde-moi ça. T'es tellement cher, Roy. Positif, ça me plaît, ça. Plus steak que pas steak. Putain, ça me plaît ! Cette blague de merde. Bonheur plus 10%, du coup. De toute façon, c'est toujours les mecs qui font les blagues de chiasse sont plus contents. Sauf moi. Alors, combien t'es payé, toi, déjà ? Elle est là, la fracture sociale. Oh, mais toi, t'as encore payé plus cher ! Et dire que mes agents Ghostbusters qui chassent les fantômes, ils sont payés à 10 000 balles par an parce que je les ai augmentés, déjà, grand seigneur que je suis. Cette situation m'étouffait. Je vais vous avouer, mais... 12 000, oh là là. Bon, tout le monde est pas content, c'est parti. Les mecs, si tu augmentes pas tous les jours, c'est bon, quoi. Comment on fait tourner la boîte sans ça ? Là, ça va, là, ça se plaint pas, ça me plaît, ça. Non, c'est bien, 6 000 balles, lui. C'est lui qui a 6 000, il a 12 000, en fait. Le double, hein, quand même. Petite fracture entre l'agent de maintenance et l'autre aussi. Non, me gonfle plus, s'il te plaît. Toi, ça va, je t'ai augmenté un... Qui c'est qui est mort dans le couloir, là ? VIP. Bon. Bah, adieu. Qui c'est qui meurt dans le couloir de l'hosto, là ? Et tout le monde s'en fout ? Pas contente ? Quelle ne va pas être ta surprise quand tu vas avoir une grosse enveloppe sur ton bureau de plus de 200$ d'augmentation. Attends, combien là ? Mais non, c'est ouf là comme augmentation par contre, hein. Franchement, ça c'est pas mal. Bon, j'avoue qu'elle a été payée à Radek Pacrette et puis en plus c'est une consultante senior, mais bon. Ce qui est bien, c'est que vu qu'elle est au maximum... Elle est plus contente direct ! Salope ! J'allais dire, vu qu'elle est au maximum de ses capacités, elle va pas nous demander des augmentations, mais t'inquiète pas qu'elle se gêne pas, cette connasse. Peut-être que j'ai pas validé, c'est pour ça qu'elle chiale. Si tu recommences par contre, t'es viré. Ça va quoi. Ça, ils prennent ça. Ça, le problème, c'est que je suis trop... Échec 1. Je laisse trop faire, en fait. Je me laisse trop faire. Je suis trop généreux. Du coup, ils en profitent tous. Ils parlent, vous savez, ça parle, hein. Les employés, ça parle entre eux. Malheureusement. C'est que moi, chacun aurait sa case oxygénée pour la pause.
T'avais genre 120 000 bénéfices annuels alors qu'un autre avait même pas 1000. Bizarre, je comprends pas pourquoi j'ai autant de bénéfices. Franchement, je suis typiquement le genre de patron qui fait un maximum de bénéfices et après je pars avec la caisse. Là, je pars avec la caisse, hein, 500 000 balles. On a commencé à 200 000, je crois, c'est bon, hein. Confortable. Ça, ils marquent leur niche. Là, marquent leur cliche, pardon. Lord Leash. J'arrive pas, mais c'est pas grave. Tout va bien pour l'instant. Guérison, par contre, il va falloir s'activer. C'est fait, c'est bon. Magnifique. Ah oui. Vous avez guéri 6 des 7 patients. Mais merde, qu'est-ce que ça fait du coup? J'ai eu la récompense ou pas? Ouais, j'ai eu 10 000 balles, je les vois. 10 de réputation. On est presque niveau 6 pour avoir les 2 étoiles. Non, mais les 3 étoiles, moi je les fais pas. Un loup, c'est une tryhard là. Elle a eu les 3 étoiles, mais à quel prix quoi? Moi je peux plus, je peux plus. Ouais, on les a bien eu. Oh, j'ai mis pause, alors. Reprenez vos activités, s'il vous plaît. Ah, mais ça m'impose tout seul dès que tu vas dans un truc. Et sans prendre comment ça fonctionne, je demande pour un ami, parce que moi j'aurais pas besoin, mais... Smell my cash. Fuck's sake. Have all the everyday essential conveniences. Okay. Mega Mag Cinema, Bowling Alley, and 8 bathrooms. 2 of which are fitted with golden toilets. C'est super simple de faire 3 étoiles sans radiner surtout. Waouh! Non mais regarde, on le fait à ma manière. Moi en fait, ce qui m'intéresse, c'est, je sais plus où elles sont toutes les stats là, mais c'est d'éclater tout le monde. En vrai, je vais pas éclater tout le monde parce qu'il y a plein de. Il y a plein de trucs de bien-être et tout là, enfin des trucs qui existent pas dans la vraie vie quoi. Ouais, c'est bien, on sait qu'on peut quand même. Faut y aller quand même avant d'être en déficit, hein. En tout cas, sur ce premier niveau-là, t'as une marge. Après, sur les autres, j'imagine, ce sera pas aussi gentil, mais. Ça, ce sera mon dernier acte, tu vois. Avant de partir, il y aura Laurent Chaupier qui va foutre le seum à tout le bureau. Avec ses 17 000 balles. Ça, j'en suis content. Que se passe-t-il, Madame Persil? Profite toujours. S'ennuie à mourir encore? Ça s'arrête jamais. Mais là, on est presque niveau 5, donc vas-y pour le. Histoire de dire. Qu'est-ce que je pourrais leur donner à ces pélos là? Franchement, y a un moment où tu peux plus mettre de trucs. Je sais pas. Une fois des meilleures choses en fait pour eux qui sont plus contents. Parce que là, ils vont commencer à être blasés non de voir ça. Devant la fenêtre carrément. Ok, bah allez. Donne-moi ça. Comme ça, il y en a plusieurs qui peuvent tester la vue en même temps. Et oui! Objectif de carrière, gagner 1 million. Quoi les annonces au micro? On est tous contents là? Je peux en mettre un là sur le. Non. Tant pis. Je voulais pas de toute façon. Salut Pastis la malice. Pastis la malice. C'est pas Pastis le roublard avant. C'est vrai que ça sonne mieux. Guérison par an 41. Je l'emmerde. Je l'ai écrasé sur ce truc qui était intéressant, je crois que c'était l'argent, non? Je sais plus ce que c'était, mais un truc, je l'ai écrasé, je te dis. Allez, réputation au niveau actuel 5 là. On va faire ça, tiens. Je vais arrêter de les suriner un petit peu sur leur salaire là, on va voir ce qu'ils disent. Il est trop payé lui, putain, c'est un truc de ouf. Non, lui il mérite pas. Elle par contre elle mérite parce qu'elle s'est jamais plaint. Elle a jamais demandé. Merde! Elle a jamais demandé quoi que ce soit à personne. Du coup, les gens comme ça, moi j'aime beaucoup la mentalité. Par contre, arrête d'abuser, merci. Les patients s'ennuient avec le temps. Je les emmerde, encore une fois, c'est pas un parc d'attraction, hein, mon hosto, c'est un hosto quoi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je la fais. Crise de tête d'ampoule, ça a rapporté de la réputation, ça, c'est très bien. Pas mettre plus rapidement que ça par contre, bon, en même temps j'imagine
que ça suffit. Je vais voir un petit peu des trucs là. Bonheur du personnel, ils sont tous à peu près contents, sauf elle que je viens d'augmenter, la connasse. C'est pas elle que j'ai augmenté là. Non, ça doit être un autre docteur qui s'est immiscé dans son bureau. Je savais pas que c'était aussi cher. Abuse pas! Abuse pas sur ton putain de salaire, jamais je te paye ça. Température, hein? Bon, ça fait chaud. C'est quoi ça? Soif, on s'en fout de ça. Si, ils ont soif? Ah ouais, la soif, elle. Les gens ont soif, c'est incroyable. Tête d'ampoule, je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas le faire là. On est pas dans les timings, si. Mais si, ça va le faire, zéro échec. L'important, c'est de bien le faire, mes amis. Faites-le bien. Je vais mettre ça, celle-là, tiens. Distributeur dans le cas. S'ils ont soif, j'imagine qu'ils ont faim. Ça rend dégueulasse, ça les présentera à brochure. Je suis désolé, mais c'est au-delà de mes capacités. Par contre, un petit poster de test de la vue pendant que t'attends au soda. Ça, personne ne dira non. Créer, partager et télécharger des éléments. Ouh, comme dans Planet Coaster. Attends, créer, non. Ah, merde, c'est le workshop, par contre, t'es chiant, ça. Il dira pas tout de suite. Niveau 5, SVP. Ça fait maintenant 90 ans que j'ai commencé ce niveau. Si tu arrives à lui. Il est content? Guérison totale. Ok. Oh! Un head crab. Un échec déjà. Ça me plaît pas trop ça. En fait, ce qui les énerve avec les pets, c'est qu'ils sont loin, c'est ça? J'ai envie de mettre un chiotte au milieu là. Juste comme ça là. Pour les énerver. Ça court au chiotte, ça court au chiotte. Cours! Et c'est bon! Arrêtez de vous plaindre, si vous prévoyez un petit peu mieux. On va pas y arriver là, non? Il en reste combien? Un? Ah non, c'était 9, hein, je crois. Attends, si la machine est cassée, je sais pas quoi vous dire. Mais... Et pourquoi l'autre travaille pas aussi? Ça, c'est deux trucs qui me... C'est pas grave. Tu veux la réparer, ta machine, ou comment ça se passe? Pourquoi il utilise pas l'autre en attendant? Ça, c'est un grand mystère de la science. Je suppose que j'aurais pu moi-même me charger de les bouger d'une pièce à l'autre pour les faire bouger leur fion, mais bon. Par contre, c'est un échec cuisant, là. Non ? 5 des 7 patients. Ah ouais, nous avons reçu notre compensation. Eh ben, très bien, ça a marché. Qu'est-ce qui se passe, en fait, au niveau de ce truc-là ? En plus, ils prennent des pauses, en fait. Ils peuvent pas s'empêcher de tirer au flanc. Objectif de carrière atteint, arroser 100 plantes. Magnifique. En même temps, j'en ai mis 50 000. Bon. Qui es-tu? Juste vérifier. Est-ce que je prends un autre docteur encore ou pas? Ils vont être un peu dépassés là, les pauvres. Bon, déjà, j'en prends un autre. Je vois bien qu'ils font tout pour que j'en prenne un autre. Par contre, je vais prendre un médiocre de chez médiocre, non? Non, allez, je vais prendre Cristiano. Au lit scientifique. Ah, de la fondue à la place du cerveau, qu'est-ce que ça veut dire? Sa vitesse moins 20%, on va te faire foutre. On a un salaire faible, hop. Ah! Gracias. Grazie mille, grazie mille. On va juste regarder ce qu'il faut pour les autres. Qu'est-ce qu'il faut? Guérissez 30 patients, gagner 400 000. Oh putain, c'est trop simple. Ah non, mais ça on attend, non? On le fait? C'est vraiment trop simple ça. Hein. Bon, les 400 000, je les avais il y a 100 ans. Non. Oui. Du coup, j'avais pas dit merci dans Acalus, pardon, pour les 5,55€. Je suis désolé, j'ai pas tilt. Alors, je me suis concentré sur autre chose. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir saigné mon. Ah oui, non, mais j'ai dit merci à ça en plus. Je suis un connard. Effectivement, non, je suis un connard. C'est bon, tout va bien. Pastis, en tout cas. Ça, je suis sûr que non, parce qu'il y a marqué maintenant.
Merci pour les 13 mois, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Oh, les bénéfices qu'on se tape en plus là, ça va aller très très vite. Les profits de ouf là. C'est une machine bien réglée, hein, y a pas à dire. Malgré l'aspect un petit peu chaotique, tout est pensé au millimètre près. Et oui. C'est pour, tu vois, baisser la garde du patient qui se rend pas compte qu'il tombe dans un piège terrible. Et qui du coup après, bah voilà, il baisse sa garde donc il claque sa thune en fait. J'ai beau dire c'est pas un parc d'attraction mais un hôpital, en fait l'esprit c'est plutôt dépense ta thune comme dans un parc d'attraction. Hein. Et à ce niveau là je pense que c'est une réussite totale. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être un autre agent d'entretien? Un agent de maintenance, pardon. Toi t'es bon en machine là. Boop. Pit positif, très éduqué. Bonheur plus 10%. Ça c'est tout ce que j'aime voir. J'adore. Hop. J'aime bien comme le bureau, il n'y a jamais personne dedans, tu sais. Les médecins ils sont toujours en train de vadrouiller à droite à gauche. Et boum! Profit moins 3000. J'ai... Effectivement, il y a eu des recrutements, mais bon, ça va remonter. C'est là, je dirais clairement. Je suis fatigué en plus. Allez, refais-moi ça, là. Ça, c'était très bien, ça. Arriving. Allez, il faut refaire de la thune, là. Sinon, on va avoir des sanctions, des gens qui vont partir. Des gens qui ont été recrutés il y a pas longtemps, là. Ils peuvent être virés tout aussi vite. Pas besoin de soulever un membre pour l'instant. Mais c'est vrai que quand ils font autre chose, je pourrais les placer dans les trucs. Ça va être d'accélérer un peu le schmilblick. Je veux pas porter tête d'ampoule qui viennent plus vite là. Allez, tête d'ampoule! Yes! Précipitez-vous. Alors attends, l'onglet classement de l'écran aperçu. T'en fais que 2000 là. Mais ça remonte donc c'est positif. Lui ou l'écran aperçu. Remets tes merdes. Franchement. Tu sais, vu qu'il n'y a pas les photos des mecs en plus, du mal à. Je suis encore l'employeur de l'année. 4 fois de suite, c'est incroyable ça. Ça fait quand même 4 ans hein, qu'il existe. Alors qu'est-ce que je voulais voir là? Voilà, déjà je voulais voir que j'ai. Là j'ai fait une percée fulgurante. Je sais plus ce qu'il m'avait dit, putain. J'ai tout oublié. J'ai oublié ce que je voulais voir, j'ai oublié pourquoi je voulais le voir. Mais c'est très bien. C'est très bien comme ça. Allez, il nous reste 266 000 dollars à faire et 14 patients à soigner. Ça, je me fais pas de soucis pour les patients. Casse-toi avec ta tête de crabe, la personne t'a demandé de t'immiscer ici. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Putain. Il prend mon temps, là. Bon, par contre, on est sur un kill streak là, 4 guérisons, 0 échec. Non. Megan Purse has sent in a very thorough quote for today's nice words of the day. Sale patte de plaie, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Ségrégation entre les pauvres et riches. On m'en va, pourtant, ce stream, je suis pas sponsorisé par les startups ou quoi. Journée piscine poulet beurré, j'adore ce titre. Récompense 5000 balles par contre, on a chié là, non, dans la colle. Ah non, c'est impressionnel VIP. Bon bah, vas-y, impressionne-le, hein, ce débile. Je dis, le mec qui visite des hostos, il fait que 69 000 de profit au-delà du chiffre symbolique. Ça fait plaisir. Encore une fois, des décisions managériales qui payent. Payent. Donc, bougez-vous là, j'aimerais bien aller en vitesse x12 pour le coup. Il va crever lui. Il en a pas guéri. Il va pas crever dans mon. Oh le con! Personne l'a vu, vite, agent de maintenance! Allez hop, il disparaît, c'est encore mieux. Ghostbusters! Ça va qu'ils se gèrent entre eux, ils font attention à pas être en pause en même temps tous. Après, tu vois, quand tu commences à avoir plein de médecins, j'imagine tu commences à les assigner à différents trucs fixes quoi. Mais bon. Par rapport à leurs compétences, là, c'est la première mission, bordel. Prends déjà 12 ans, tu sais. Cassez-vous de mon hosto, monsieur. Cassez-vous là, qu'est-ce que tu fais? Fais la queue, et vas-y. Ça a l'air bien, hein. Faut faire la queue dans 30 000 bureaux pour savoir ce que t'as.
J'aime aussi comme tu fais pas seulement la queue à l'accueil et t'es pris en charge et c'est bon, tu vois. C'est genre tu fais la queue de partout à chaque truc. Ça me semble honnête. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre là? C'est une affaire qui roule pour l'instant. Je pourrais mettre ça, mais après ça déséquilibre ce si précieux environnement. C'est vrai qu'il ferme en se mettant dos à la porte, c'est très étrange. Attends, c'est pas s'ils sont fait diagnostiquer, hein. Tu vas crever alors qu'on vient de te soigner, là. Crabe de tétingite. On va crever par là-bas, ouais. Tu fais bien d'aller crever en dehors du hall. Ils ont peut-être trop d'agents de maintenance. Eh ben écoute, j'ai un truc pour ça. Tu mets n'importe où, tu sais. Tiens, regarde, il y a une file d'attente ici. Ici aussi, il y en a. On les met où il y a des files d'attente, écoute. Je sais pas s'ils peuvent s'en servir pendant la file d'attente, mais... Bon, allez, là. Et en plus, je suis gentil sur les prix, hein, pour l'instant. Regarde-moi ça. Je pourrais être bien plus méchant. Bon, je vais pas le faire, parce que... Réputation du prix ? Bon ça, 50%. Bande d'enfoiré quoi. Bande d'enfoiré ! C'est vrai que tu peux te faire un hôpital qui se cale sur du low cost et faire fortune quand même. Hein. Tu cales bien tes prix et tout. Tes services. Mmh. 4000 balles j'ai perdu. C'est pas pourquoi. Il y avait plus de tête d'ampoule, c'est ça? C'est eux qui me rapportent un masse de thunes, hein. J'ai vu les factures. J'ai vu les factures. Attends. Traitement. Tête d'ampoule, 8000 balles. Donc, revenez s'il vous plaît. Redonnez-moi des objectifs tête d'ampoule, là j'adore. C'est mon gros kiff. Parce que ça me rapporte que dalle. Bon ça va en vrai. C'est qui ça? J'ai réussi un truc? Ok, parfait. Je me rappelais plus que j'avais un truc en cours. Recadrage orthographique. Non, on fait pas ça comme traitement ici. On recadre pas l'orthographe des gens. C'est que Zanagi, il donne pas envie d'écrire dans le chat quoi, corriger les gens là. Bolos. 40 000 balles, allez, on torche ça là, c'est bon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais dit que je ne ferais pas les 3 étoiles et puis je l'ai fait, lol. Il y a un putain de parc autour de l'hosto aussi. C'est ouf ça. Bon, t'as un terrain comme ça, tu le vends tout de suite en fait. Tu te fais pas chier à faire un hosto dessus. Moellon possède taux de guérison 90%, nous n'avons 89%. Que 89%, c'est juste derrière quand même ta race. Non mais ça va, c'est chiant quoi. Il y a des façons de les dire les choses, tu vois. T'es pas obligé d'être méchant. 15 000 balles. Il y aura encore un qui a crevé, tu vois. Ils n'arrêtent pas de crever tous ceux qui ont les... Ah non, c'est lent, c'est ça. Faut t'arrêter de puer la merde, toi. T'arrêtes pas de tuer tout le monde, là. Ah mais t'es pas content, du coup je tue les gens, quoi. C'est comme ça que tu protestes. Violence Tosto quoi. Encore quelqu'un qui crève. Putain, le mec il vient se faire diagnostiquer parce qu'il a une toux et il crève. Allez 2000 balles. Et après on pourra vivre le rêve américain. Avec notre presque million. Notre pactole. On va partir avec la caisse au soleil. Grazie. Bonus. Boutique de souvenirs. De toute façon, ça va continuer. Hein. Ah, il y a combien de missions? Ouh. Ouais, non, mais là, c'est un continent, j'imagine. Ouais, c'est Ox, non? Non, je sais pas en fait.
T'imagines, genre, t'as 2 étoiles. Moins 300 000 de soldes. Attends, non. Pas moins, c'est juste un tiré. Ouais. Non, mais je tiens à dire, je suis quand même le... celui qui a le mieux réussi, je pense. Voilà. Ouais. Parce que moi, je juge la réussite par rapport au sou, quoi, en fait. Au sou qui me reste à la fin. Et y a pas à dire. Bah, je suis celui qui a le plus de sous, donc je suis celui qui a mieux réussi dans la vie, voilà, c'est tout. Bon alors, là il y en a encore 2 ici, mais j'imagine qu'après tu débloques tout ça, ouais, et puis après il y a les DLC et tout, ça ne s'arrête plus jamais. C'est quoi la différence en fait entre les missions? Alors là c'est la bérésine un peu. Il y a des gens qui se sont fait refund, hein. Il y a des gens qui se sont fait refund, pour ne citer que lui, Floro. Moilon, et c'est tout. Et après, plus personne qui a joué. Et encore, attends, ils ont joué, non, ils ont rien fait. Hein. Ils ont juste lancé, quoi. Si, ils ont un peu joué. Putain, par contre, Lou, elle a pas déconné sur celui-là. Sa race, Lou. Pas impression de tryhard, là, et je te le dis, parce que je sais que tu regarderas la rediff, mais putain. Truc, 2 millions de soldes, il vaut 5 millions. Niveau de l'hôpital 16, réputation 99% de réputation. C'est incroyable. Bon, je vais voir ce qu'ils me disent un peu. S'il y a des nouveaux objectifs, des trucs un peu. Et Rockstar. Du coup, la psychiatrie. Ok. Pourquoi il y a déjà des gens dans mon hôpital par contre? Une impressionnante salle de psychiatrie afin de garder les gens heureux. Une impressionnante? Eh ben allez. Prépare tout des éditions là. C'est cher cette merde en plus. Alors, impressionné? Par la taille de ma salle de psychiatrie. Mais il est petit hein, cet hosto là par rapport à l'autre. Bon, très bien. Et ça c'est quoi? C'est la porte, très bien. Ah ouais, on peut faire des portes des bureaux mitoyens? Non, pas du tout. À droite ou à gauche? Toujours à gauche. C'est important. Alors, je sais pas s'ils vont avoir la place, hein, mais... Normalement, on tourne le dos, non? Non, pas forcément. C'est pas plutôt un truc de psychanalyse, ça, le fauteuil? Moi, j'y connais grand chose, mais bon. Moui. Ok, alors là, comme c'est un truc, il faut que ce soit... Feng Shui! Faut qu'il puisse caresser des plantes, le mec. Je sais pas pourquoi je mettrais une fenêtre en fait, hein. Genre vraiment une fenêtre sur le couloir. Ok. Bon, en tout cas c'est niveau de prestige 3, mais du coup il y a beaucoup trop de place. Pourquoi ils me disent une salle de psychiatrie impressionnante quoi? C'est... ça sert à rien, non? Genre quel est l'intérêt pour moi de faire ça? Je vois pas trop ce délire là. Ça sert à rien de faire une salle comme ça, putain. Nick, hein, comme disait l'autre. Comme disait Yannick. Voilà, ça n'a aucun sens, mais bon. Que veux que je vous dise, on va la faire comme ça, hein. Il y a des missions dans le jeu, ouais, il semblerait qu'il y ait des missions, ouais. Nous, c'est une healer dans l'âme. Ouais, le mobilier joue, je vois ça. Nouvelle technologie, ok, j'ai pas lu, mais ça a l'air bien. Améliorons un peu l'hôpital pendant que nous nous occupons des patients de psychiatrie de Bangle. Alors, niveau 3, guérissez un patient en psychiatrie. Ok. Ouh, les profits là! Bon, ils ont de la chance, j'ai pas gardé mon solde du précédent truc, parce que j'aurais tout éclaté. Alors, un truc qui marchait bien, qui plaisait aux patients. Ils ont mis une poubelle, les cons, à la place. Ma plante! Je vais mettre à côté. Je vais cacher cette horreur. Abomination! Je vais mettre un petit test de Rorschach là, ça va attirer le regard de tout. Ah non, c'est un test de vue. Bon, c'est pas grave, c'est bien réussi. Insupportable cette musique par hasard là. Oh, lui il a mis son truc dégueulasse là. On lui a donné autorisation ou pas? Parce que. Ok, dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Téléphone! On 2 Point Radio.
Two-Point Radio. To your favorite radio station with the vastly overqualified Sir Nigel Bickleworth. I'm here to inform, to entertain, and to bring some small measure of sophistication to your drab little lives. Should any of you have any requests for popular tunes, as I believe people like to call them, do not hesitate to repress that impulse. I have no intention of playing any of that drivel. Proposer plus de salles, engager plus de personnel ou du personnel plus qualifié, donner des promotions ou former vos employés actuels. Content toi de ta vie? Moi je serais pas content à ta place. Il manque... Comment il a été soigné le mec s'il manque un psychiatre là? C'est pas grave. Ah non mais il faut juste la spécialisation, il l'a lui? Ah bah oui. What? Bon bah lol. Dans 11 jours. Fuck. Remarque c'est pas très loin. Passer les 11 jours là et je vais acheter un autre pélo. Acheter quelqu'un. C'est comme ça que je vois le marché moi. J'achète les gens. C'est ma propriété. Lui il a eu le temps de marcher 3 mètres, j'imagine que c'est bon, il s'est passé 11 jours. Presque. Pourquoi il y a Freddie Mercury de partout dans mon hôpital là? Victor Tétard. C'est quoi sa qualification de merde? Diagnostic en bureau généraliste. Et lui? Traitement. Je vais prendre lui, mais je suis pas satisfait. Hein. Ah, vitesse d'apprentissage plus 50%. Bah il est fou. Bon, alors du coup, il faut que je fasse plein de trucs là. On est d'accord. Je vais mettre des fenêtres de partout, apparemment. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Semblerait-il, là il y a un petit espace. C'est pas grave. J'agrandirai la salle au pire. C'est assez bien foutu ce système de salle. C'est pas toujours le cas dans les jeux hein, que les salles se soient agréables à utiliser. Donc, pour la construction. Dab. On a eu d'onte. Ouais, je vais prendre du bon. Écoute, nique ta race. Pardon, c'est sorti tout seul. En colère lorsqu'elle a faim, ok. Bon, c'est pourquoi. Vitesse d'enseignement, plus 50%. Mais elle est infirmière junior, qu'est-ce qu'elle va enseigner à qui? Si je puis me permettre, finalement. Hein, Maureen, qui dab là. Je prendrai elle. De toute façon. Sa triste vie. Triste cire. Salle commune. Ah merde, il y a une entrée là. Quoi ce bordel? Ça, ça m'arrange pas, je vais la faire grande celle-là. Comme ça. C'est là qu'on sort. Parce que là en fait du coup il y a un espace de ouf mais c'est pas grave hein. On fera... Si on fera ça. C'est bon. L'idée est très claire. C'est très clair dans ma tête. Très 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 clair. Alors. Dans un souci de rentabilisation maximale. Comme vous me connaissez de toute façon. Allez, encore un peu de place par là. Voilà, c'est pas mal du tout ça, un petit casier pour madame, un petit classeur pour monsieur. Hop là, ils aiment bien ranger leurs trucs, je les connais les patients, j'en ai été un. Et oui, on dirait pas comme ça. Moi aussi j'y étais au début. J'ai pas été tout de suite directeur d'hôpital, j'ai commencé patient. Au bas de l'échelle. Tout est possible si vous croyez en vos rêves. Je sais pas pourquoi je les ai mis au milieu de la pièce, c'est putain de lit, mais bon, je l'ai fait, donc je reviendrai pas sur cette décision. Ah, ils veulent lire des tests, donc ça va foutre dans leur lit. Lui, il veut... il veut délirer sur son truc. Hop là, magnifique. Magnifique. Une petite promo pour les têtes de couronne et une couronne festive juste à côté. Enfin, têtes de couronne, les têtes de drôle. Nouvelle technologie. Qu'est-ce qui se passe? Afin d'améliorer nos machines, nous allons avoir besoin d'un agent de maintenance qualifié en mécanique. Ok. J'entends. Je vais juste mettre pause parce que vous me gonflez. J'aimerais juste acheter un autre employé, s'il vous plaît. Un infirmier est nécessaire. On se souvient tous de ta période en asile. Peu après l'épisode de la mouche divine. Putain, ça faisait longtemps ça, j'avais oublié ce truc là, tiens.
Alors là, c'est vieux, la mouche divine, t'en souviens encore, c'est magnifique. C'était infirmier ou assistant? Parce que du coup, Nikis m'a parlé. Et vous connaissez la place qui me reste dans mon esprit géant. Un infirmier. Il me semblait quand même. Alors là, il me faut quelqu'un qui est bon en salle, et il y en a plus, c'est ça? La merde un petit peu là. Je vais attendre. Plutôt que prendre un déchet absolu. Absolu déchet. La diarrhée a été découverte. Wow, chaud! Faut arrêter d'inventer des maladies comme ça. Alors exotique. Qu'est-ce que c'est que la diarrhée finalement? Alors il me faut un agent. J'en ai déjà un non-agent de maintenance là. Améliorer 10 000. 37 jours pour améliorer. Vas-y, améliore-le. Je sais pas ce que ça va faire, mais ça a l'air très 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 bien. Je peux pas améliorer le bureau apparemment. Je suis un peu déçu. J'ai amélioré le fauteuil. Non, surtout pas. Salut Akatras, ça va? Je me souviens qu'on a une runcom sur Dark Souls. Putain. En même temps, si tu te cassais pas en deux à chaque occasion que t'as. Nurse needed, mais y'a que des chiens, donc bon, c'est gentil. Je vais pas prendre une sous-merde là, juste pour prendre une sous-merde. Lance des joutes verbales. Je veux pas lui. Désagréable. Bon bah je vais prendre monsieur la grosse merde alors hein. Très bien. Monsieur l'énorme merde apparemment, c'est ça qu'on attend de moi. Que je travaille avec rien et que j'ai des résultats de fou. Non mais c'est bien. C'est juste chiant en fait, parce que les gens s'attendent à beaucoup mais ils donnent pas les moyens donc bon. Je sais pas ce qu'on est censé faire quoi. Voilà. Ça par contre y'a rien, y'a pas de déco et du coup les gens ils doivent chialer dedans. Faut être content. Si je mettais un distributeur de chips à l'intérieur. Ah mais je peux en plus. Non je peux pas. Ça aurait été que ça. Boutique de souvenirs. On m'avait pas dit qu'il y avait ça. Incroyable. Attends là je vais mettre une plante par mètre carré. On met lequel cette fois? Tête d'ampoule. Allez, tête d'ampoule. Hop là. Et puis le seuil de Roro. Je vais mettre là, allez hop. Ça ira très bien. Ça arrive à toi. Il y a une lettre postée. Défi du personnel de Lily Barbotte. Je trouve tous ces décès déprimants. Pensez-vous pouvoir passer quelques mois sans décès? Défi, passer 90 jours sans décès. Durée limitée à 180 jours. Récompense plus 25% de bonheur. Ça, je peux le faire, franchement. Je sais pas quand ils pourraient mourir, les mecs. C'était surtout les trucs un peu plus poussés, style tête d'ampoule et tout, qui mouraient, quoi. Diarrhée verbale. C'était ça la maladie? Tu m'as dit un truc là sur... Mais du coup si tu fais ça, ça les... je croyais moi que ça les dismisse juste. Ah bah là bonjour. Merci d'avoir... Merci pour tes services mon ami. Regarde là. Combien ça me coûte ça? S'occuper de 0 patient, on a tué 0 et guéri 0, obtenu 0$ pour l'hôpital, a été payé 0$. J'avais un... C'est très bien ça non? Caleb. Putain, c'est un 100 fois Nilo aux États-Unis quoi. Ils m'ont pas respecté sa vie à lui au pauvre là. J'espère qu'il a déménagé juste pour travailler ici. Et dans le premier jour il s'est fait virer. Hop. En même temps je lui ai dit voilà tes résultats sont pas très probants. 0$ tu sers à rien. Voilà clairement. On va passer par quatre chemins. Tu ne sers à rien dans ce monde. Du coup si je fais la croix. Bah oui ça sert à rien. Tu dis n'importe quoi Xanagi en fait. T'es aussi full of shit que feu ton père. N'importe quoi. Les faux espoirs RP là. Je peux pas juste faire une pièce pour faire une pièce? Non. D'accord. Le mot de marmiton, c'est quoi cette merde? La machine a été débloquée, améliorée. Faites en sorte de toujours avoir quelques extincteurs et partie de l'hôpital. Bangle Technologies nous remercie pour l'aide. Continue que nous avons fourni avec leurs patients en psychiatrie. Continuez à agrandir votre hôpital. Yes, milord. Truc de porte-clés à côté. Alors attends, les extincteurs là. J'ai un big concert maintenant, il faut que j'en mette. Faut pas que j'en mette de partout non plus si j'en mets genre là. Un là. Attends, non, j'aime bien leur concept là. Enfin, en vrai c'est débile, mais je sais pas où le mettre. Je vais pas le mettre au pire. Je mets là.
Ils ont mis un truc de soda ici, donc je vais mettre de l'autre côté. Parce qu'ils nous tentent, là, ils font exprès pour qu'on le fasse. Un distributeur d'Anka. Et comme ça, le mec qui veut et le soda et l'Anka, il doit traverser tout l'hosto. Enfin, toute la pièce. Et ça me fait plaisir. Comme ça, tout le monde le juge pendant qu'il va chercher son truc. Le gros porc, comme il devrait être jugé. Allez ! Du coup, j'ai des technologies, mais c'est quoi cette merde, sérieux ? Guéris les patients atteints de marmitette. Sépare les casseroles des têtes coincées à l'intérieur. Oui ! Jusque-là ! Jusque-là, j'aurais tout dire. Je suis sûr que tu fais un live par mois pour les resubes. Les resubes. Les resubes. Bon, là, du coup, j'avais un rêve. Mon rêve, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi vous chialez ? J'ai pas assez d'argent ? Même pas avec 5 Tarkoon qui va nous gonfler là. Minu, minu. Que se passe-t-il, Madame Persil, là, comme disait l'autre ? Ah, c'est juste qu'il faut que ce soit une certaine. Ok. Bien, j'entends. Je suis pas satisfait, mais j'entends. Du coup, je suis à une autre pièce, hein. Bon, je vais faire le minimum, je vois pas l'intérêt de faire plus gros que le minimum pour l'instant, de toute façon, dans les pièces. Segment, ok, d'accord. Big. Les soufflés tristes. Tout le monde, venez voir. Venez voir le mec qui se fait soigner. Qu'est-ce qu'il dit, l'autre? Il fait des revues de bouffe, là? Quel sens. Tiens, la poubelle entre... Vous voyez la pièce entre la poubelle et le distributeur de soda, là? Bah, c'est ici pour vous faire soigner, là. Tiens, je sais qu'ils ont envie de lire quand ils se font soigner, les gens. Pas faute de lire à chaque fois, mais bon. C'est une réalité, hein. Bon. Je viens de mettre mon truc dessus, là. C'est pas du tout, ça. Bon, alors, qu'est-ce qui vous va pas, du coup? Ouh! Bien fait, ça. C'est la porte qui ne marche pas. Pourquoi? Ne marche-t-elle pas? Si, elle fonctionne. Elle fonctionne, il y avait juste la poubelle qui était devant. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici? Un docteur, un vrai, ou... Docteur formé au traitement. Biorno. Direct. Direct. Bonne soirée, Solan. Merci pour le sub encore. Distribue shit. Même pas remercier trop bien pour le gift. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais je l'ai pas, j'ai pas fait gaffe. Merci beaucoup, trop bien. D'avoir gift Nian. Attends, là il se passe des trucs et je dois remercier les gens. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et merci à Katras du coup. Aussi, parce que c'est vrai que toi j'ai lu ton truc et puis... enfin, j'ai entendu. J'ai même pas remercié. Merci à vous deux, hein. Bien sûr. Voilà. Merci pour l'argent surtout, effectivement. Katras a deviné mon plan, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y avait marqué 6? Il est sur un killstreak de 6 ou? Bon, si je t'ai embauché, c'est pas pour que l'autre il aille parler avec les patients dans le hall là, je l'emmerde lui. Bon, il me faut une salle de tête ampoule au tux là. Parfait. Bon, celle-là je vais la faire un peu plus. En fait, je voulais faire ça, tiens. Mais est-ce que comme ça, ce serait pas un meilleur moyen de se déplacer pour dans l'hosto et tout? Enfin, ce serait plus sympa quoi, non? De toute façon, j'ai pas besoin de votre avis, je vais le demander comme ça parce que je suis Clément aujourd'hui, mais je vous emmerde. Je fais ce que je veux, c'est mon stream. Pfff, bordel. Alors, un petit extincteur ici. Bon, ici, si tu veux, on s'en fout. Il faut pas les entretenir, non? Je pense pas. On s'en fout, personne n'entretient ces trucs-là. Tout le monde s'en fout. Il y a une petite plante à côté, une plante, comme on dit. Tu veux faire un test de vue, bah envoie-tu, ouais. J'ai un petit jeu de mots sans faire esprit. Attends, remarque, il y a le poster de la tête d'ampoule qui tombe à point nommé pour cette salle. Est-ce que je débloquerai pas peut-être un petit truc stylé là? Un petit truc stylé, qu'est-ce qu'il y a? Le petit modèle anatomique, moi ça me tente bien. Si vous voyez des trucs, n'hésitez pas à le lire. Ça c'est dégueulasse, la toile de jus de fromage, la taille IRL. Diplôme, alors ça sûrement pas. Je me doute bien que t'es diplômé, si tu me soignes, connard. Toile de serre chaleureuse.
Étoile d'or, mais non, mais pitié, tu sais, ils veulent pas les trophées du club de foot de quand t'as 8 ans, quoi. Un choub! Ok, c'est bon, j'ai plus besoin de votre avis. Ah, mais c'est bon. Merci d'avoir participé, mais c'est officiellement, j'ai plus besoin de votre avis, là. Tellement déplacé, quoi, une gueule de Shiba dans... Là, par contre, ça va, dans... J'ai pris 4, non, mais même pas, c'est tellement déplacé dans la nosto, tu sais. Pourquoi il a la tronche d'un chien, quoi? Bon, après, pourquoi il y aurait pas sa tronche aussi? Tout le monde veut le voir, hein. C'est le monstre qui va dire c'est scandaleux, il y a une photo de chien quoi. C'est réaliste. Même ça va inciter à l'achat, je pense, si je mets là. Du coup, vous avez dit quelque chose, non, vous en foutez. Seul à n'avoir jamais été sub, et tu le dis en plus. Tête de tortue. Attends, moi je voulais le modèle nomique. Atomique. Ça vaut 1000 balles quand même, hein, cette merde. Bon, je vais le prendre. Lequel des deux? Le squelette, c'est plus spooky quand même, non? Un peu macabre, non. Vitesse de formation, plus 1%. Un torse humain sans l'humain. Je prends, tu vois, parce que c'est un spooky boy. J'adore les spooky boys. Bloque pas le passage, par contre. Il spook! Alors ça, ça va trop dans un truc de... Mais on peut le mettre comme ça, c'est génial. C'est la seule salle qui ressemble à quelque chose, celle-là. Hein. Oui, c'est parce qu'il y a le chien. Les autres, il y a le chien, mais le sol ou quoi est tellement dégueulasse, horrible en fait, que bon. Mais c'est nul en fait, si je le mets partout, ça perd un petit peu de son charme, non? Je vais le mettre là du coup. Dans un angle où on le voit moins. Puis après, je vais arrêter parce que ça vaut 1000 balles cette merde. Hein, qu'on se le dise. Bon, il va me falloir un remédecin aussi, ça. Pas possible ça. J'en ai marre. Hein. Oh les merdes que c'est! Klaxonne quand on lui demande. Fait mourir les gens de... Ah mais attends, mais si ça se trouve, il y avait des kill tricks, hein. il y en avait une dans la partie d'avant, j'ai l'impression qu'il y avait plus de gens qui mouraient sous son... Enfin dans sa salle quoi, donc si ça se trouve elle butait les gens. Saloperie va. Elle faisait mourir de rire littéralement, ce serait pas hors de portée de ce jeu. De vous faire subir ça. Qu'est-ce que tu fais toi? Non, non, non. Bien dans l'ensemble. En vrai, elle est forte, quoi. J'ai envie de la voir juste pour la voir, celle-là. Elle est incroyable, non? Devenez propriétaire de bâtiment 1 sur 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Bon, guérissez des gens en labo de marmiton, là. Je l'ai pas fait, ce truc-là? Non? Si, je l'ai fait, mais... Bordel, tout le monde s'en fout, quoi. Bon, au pire, j'aurai une psychiatre, écoute. Il est d'accord que c'était bien un médecin là, hein, pour ça. C'est juste qu'il y a personne qui a ce problème là. Qu'est-ce qu'il leur arrive? Pourquoi il met ça? C'est masse de queue, mais pourquoi il fait attendre tout le monde lui? Il faut un autre cabinet en fait. Quoi c'est ça? Bureau de généraliste. Vas-y mon cochon, que ça coûte cher. Toi t'auras un bureau nul petit. Pour un petit homme. Non, en vrai, faut que ce soit classe quand même un bureau de généraliste. C'est jamais trop chum, vous avez remarqué. Hein. Qu'est-ce qu'il fait à marcher à travers mon bureau, lui? C'est cru où? Alors, lui aussi, il a droit d'un petit squelette. Un spooky boy, comment on les appelait? Et allez, je suis gentil, un petit choub. Il va être de partout, hein, je vous préviens, si c'était pas clair. J'ai l'impression que je vais ouiller Pifiu quand j'entends ce doublage, là, surtout qu'il est particulièrement forcé. Je prends plus de médecin là, on aura assez, je pense, pour l'instant. Bon, alors 1 sur 3 et propriétaire de bâtiment. Acheter un terrain ou un bâtiment, c'est drôle ça, hein. Moi ça. Terrain 2. C'est rigolo. 50 000. 25. 75. Est-ce que j'ai besoin d'un énorme? Je ne sais pas. Je vais prendre celui-là déjà. Un small boy. Ouh! Il y a un soin sur l'animation qui est sympathique hein, quand même, je trouve. C'est mignon comme tout. Bon, c'est un terrain de jeu pour les enfants, mais écoute.
Le soin, c'est le plus important. D'ouvricelle. 90 jours sans décès, refais-le, on a dû le faire, non? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Et tiens. Ok, c'est bon. Il y a un ampoulite, là. Comment ça s'appelle, déjà? Tête d'ampoule, ouais. Je crois, hein. Je crois que ça, c'est assez straightforward. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il vient d'être promu, il est content. En même temps, c'est un Ghostbuster, en plus, il est intéressant. Ou elle? Mélanie Spatule. Elle est intéressante. Bon, il ressemble déjà plus à quelque chose que mon hôpital de l'autre fois. Même si c'est pas non plus incroyable. Il y a le marmiteux. Fait penser à TF2 surtout. Ils ont pas tous la même couleur de poils sur la tête. Est-ce que je prendrais pas un autre réceptionniste ou alors il va venir monsieur là. Ils ont pas de salle de pause en plus. Le truc qui fait chier, c'est que la salle de pause, si je la fais là, c'est loin, non? C'est pas grave, je vais la faire là. Chiant. On n'est pas censé y aller tout le temps non plus, hein, ça va. On va faire ça, il laissera un peu de place. Ils peuvent faire des petites parties là. Petit fauteuil pour les gens qui se sentent un peu asocial. Non, pas du tout. Ça marche pas. C'est l'heure du chips, tiens. Ne donne pas sur l'hôpital. Bah oui, connard. C'est une fenêtre, quoi. Pour eux, c'est plus logique que ça donne sur l'hôpital que l'inverse, en fait. Pour moi, non, mais qu'à cela ne tienne. Une petite plante. Est-ce que je peux là? Yes. C'est mon petit kiff. Depuis que j'ai découvert ça, vous avez remarqué, j'aime bien le faire. Allez, on teste notre vue, messieurs les médecins, c'est important. Pas oublier de le faire. La peinture du chien. Je sais pas si vous avez remarqué, je la mets toujours dans un angle où je la verrai, c'est important. J'aimerais bien une table basse là. Ah, mais pouf! Mais tiens, m'en fous, j'achète. Trouble making ends meet. Sérieux? Need some extra dough. Bon, bah, c'est dégueulasse, voilà, c'est dégueulasse, on est bien content. Bon, en vrai, je vais faire autre chose. An 80% interest repayment rate is nothing to sniff at. Smell my cash. C'est important pour moi. Pour moi, c'est important, d'accord? Pour vous, c'est rien. Allez, passe niveau 6, l'hosto, là. Samba Medican, là. Du coup, les profits, je regarde jamais, et pourtant, ça marche toujours, c'est ça, oui. Très bien, on te dire. J'ai l'impression, plus te prendre de médecins, plus y a de patients, donc bon. Ça fonctionne, hein. Les chiottes, par contre, ce serait pas mal, non? Alors, le problème des chiottes, c'est que ça prend de la place. Bon, je vais les mettre là, mais ils vont être loin du monde. Loin du monde. Des big ol' chiottes. On va plus faire un délire comme ça cette fois. Avec un espace lavaballe. Sèche-mal. Poubelle. Et une petite plante. Et deux plantes. Voilà. Je peux pas mettre un extincteur, je vous fais confiance pour savoir utiliser des chiottes. Non? Salut Saido! Fais plus de vidéos YouTube, sinon je viens chez toi et je te mange. Oh oh oh! Chaud! Je vais y réfléchir. Qu'est-ce qui arrive avec les ballons là? Chelou boy. Encore 1000 mails. Allez, une épée de marmitette, ça me plaît. Une salle de repos au niveau 4. Mais. Attends, c'est marqué où? Et niveau combien? Putain, j'arrive pas à la sectionner, la code de salle. Niveau 3. Oh, vas-y, je suis latente. Visite de journaliste, vas-y, s'il te plaît. Visite tant que tu veux, tu vas avoir des portraits de Shuba, de Shiba, tu vas comprendre ta vie. Franchement, je pense être un peu à court de place là, on va pas se mentir. Ah non, ça va. Ça doit valoir masse ça. Je voulais pas le mettre, mais bon.
je veux absolument faire monter le truc, donc... Ah mais attends, mais je peux faire un truc plus sympa, peut-être. Non. Ça se fait rien monter, l'horreur. L'escroquerie totale. Je vais mettre là, tiens, au milieu. Au milieu du hall. Beyond the hall. Je vais mettre là, tiens. Il dit bonjour la nuit. Le gardien, il se chie bien dessus. Bon, alors, la bibliothèque, c'était une bonne idée, en fait. On est presque. Mais ils ont de quoi lire, ouais, vous pouvez le dire. Hein. Hop, petit triptyque. Magnifique. Voilà, c'est fait. 25% de bonheur, franchement, c'est pas dégueulasse, non? Tu vois, là, si je regarde le bonheur, j'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs de bonheur. Là, vous êtes contents, les salauds, là. 6 qui font la queue, ça. Faut arrêter d'avoir la marmite aussi. Hein. Ça va être un petit peu chaud pour le marmitu, là. If ever you have found yourself at a loss as to the correct usage of the English language, you may enjoy my popular guide to good grammar. Putain, il faudrait un autre marmiton là. Un autre marmiton ici, tiens, juste à côté de la salle de repos. But I fear your underdeveloped vocal abilities would make this quite impossible. Impossible. C'est un peu bizarre quand même de pas pouvoir mettre, tu vois, deux trucs, dans, faire une grande salle et en mettre deux, quoi. Non? C'est chelou. Cette façon qu'elle a, ouais. The Plant. Le fameux poster de Choub. Alors attends, dans ce sens-là, pour que je le vois. Comme je joue toujours dans le même sens sur ces jeux-là. C'est vraiment la musique de la pub à saucisson, ça, hein, sérieux. Qu'on dise pas l'inverse, quoi. Je me vois bouffer le saucisson, là. Petit climatiseur de morgue. Ou gros climatiseur. J'en ai besoin pour l'instant. En fait, il fait chaud ou pas dans ce truc. Il fait bon, hein. Pas besoin. Tiens, à côté du Choub, maintenant, ce sera son nouvel ornement. À chaque fois, je mettrai ça. C'est important. Niveau de prestige, 3. C'est très bien, 3, j'imagine, ça suffit. T'es fort, toi. Très bien, quand tu veux, j'ai beaucoup de bâches, mais je manque de place dans les temps. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu parles de faire un trampoline sur ton étang là, Nicky. C'était un étang déjà. Je crois pas. Du coup, ils vont là-bas, les casseroleux là. Ouais, ils arrivent. Un de lui. Magnifique. Bon bah ça se passe. J'ai pas l'impression de faire particulièrement de la gestion, mais faut croire que ça marche. De toute façon, ça devient toxique ce genre de jeu pour moi quand tu vraiment commences à faire la micro-gestion. Je sais que c'est le kiff de beaucoup de gens, mais... La phase la plus kiffante, c'est quand même quand tu construis les trucs. Oula, mais c'est violent votre machine là, non? Mais il est mort? Ah non, il est pas mort. Ah mais on va le faire, hein, les marmiteux, peut-être. Promotion, vas-y. Voilà. Bilan annuel. Remets tes merdes de prix, tout le monde s'en fout de ça. C'est moi l'empereur de l'année? Yes! Victor Tétard. William Aircut. Putain, le plus prestigieux. Oh, choix des patients. Oh là là, je veux l'avoir tous les ans, celui-là. Par contre, ça s'est cassé, chef. J'en prends un deuxième d'agent de maintenance. Ush, je veux lui. Je veux Harry Drum. Mais il est extrêmement cher, Harry Drum. Il a une petite vessie, malheureusement. Mais vu qu'il marche vite, il pourrait aller aux chiottes, c'est bon. Allez, niveau 6. Trousers. They ought to be worn at all times. They protect against sunburn and knobbly knee syndrome. Take heed, dear listeners. Bon, la personne là qui a regardé mon hosto, elle a pas dit que c'est très bien là, c'est bon. Putain, je vois des shibas de partout, c'est magnifique. Toutes les pièces, il y en a après, sauf lui là qui a mis son truc dégueulasse là. Son espèce de pire américain. Me fait penser à un mélange de Coro Bizarre et Netto. Oh putain, Netto 75, ça faisait longtemps, j'avais plus un. Entendu ou pensé à lui, tiens.
Il continue encore ? C'est magnifique ça. Ah non, suffit pas. Niveau taille de vaisseau, on en est où ? Carrément entretien d'embauche. Ça va très bien, Sigfire, et toi ? J'espère que tu vas bien. C'est bon. Des fois, tu vois, je viens de check comment ça va. Par ici, j'aimerais bien faire un autre truc avec d'autres chiottes ici et tout. Une autre ville. Que je voulais faire du coup, je voulais faire quelque chose. Moi, je voulais augmenter la réputation de du truc là, mais. Ah, les secouteurs de chips ici, tiens. Pourquoi pas. De toute façon, ça va monter tout seul là, non? Peut-être pas. Qu'est-ce que je pourrais faire comme salle sinon? Pharmacie, on est bon? Le truc, c'est qu'on aura toujours besoin de toute façon de pharmacie. Qu'on se le dise. Peut-être en faire une autre. Quoique, je sais pas. Ouais, vas-y. Faisons une autre là. Et à côté, peut-être faire un autre généraliste à terme, non? Je me demande. Yo, me de bandido! Ah, mais attends, je peux faire. Je peux aussi. Faire monter des trucs. Je sais pas pourquoi le pharmacien il aurait besoin de montrer le squelette du corps humain, mais bon, admettons. N'oublions pas notre emblème national. J'ai l'impression de toujours. Toutes mes pièces c'est les mêmes, tu sais. C'est incroyable. J'adore. Ah! C'est bon, j'ai eu ce qu'il fallait. Ok. On a débloqué du coup le dernier truc. Est-ce qu'on va le faire direct? Peut-être non. Il faut quoi là? Il faut pas grand chose. J'aimerais bien améliorer des trucs. Qu'est-ce que je peux améliorer? Je peux améliorer ça, vas-y, améliore-le. Franchement, je peux le faire ça. Je pense pas qu'on aurait pour très longtemps à avoir 2 étoiles au moins. Bon, on fera peut-être pas les 3 étoiles, mais. De toute façon, à chaque fois c'est pareil. Je dis, je vais pas faire un truc et puis après je le fais parce que je vois que ça va. Ah mais c'est pour ça que ça marche trop bien ça, c'est parce que c'est amélioré de ouf. Enfin c'est amélioré une fois mais je veux dire. Du coup, prenons un temps pour observer, voilà, magnifique. On se ressource un petit peu. Tu fais des feats avec vodka Netto. Nice. Bah écoute, sacré net. Net. Je regardais, il était sur le JVTV à l'époque. Et autant quand je disais ça avant, ça faisait pas longtemps que ça existait, mais voilà. Ready to pour another jar of good old fashioned honey into your ears. And remember, the honey I'm referring to here is my voice. There's no need to panic. J'aimerais bien avoir ta voix, tu sais ça. Attrait de l'hôpital 110%, oui. Putain, 68. Bon, il y a un truc à faire, je pense. Non, parce que j'allais dire, je vais baisser les prix, mais si je les baisse, après, je pourrais plus les monter. Et ça, c'est non. Alors, une petite brochure, là, regarde. Je sais ce qu'on peut faire. On peut mettre lui au milieu, là. Il est tellement cher, en plus. In 69%, rien qu'en énorme, lui. Hein. Donc, bon, ça devrait se passer. Pourquoi pas une petite... plante par là. 69. D'accord. Voilà, nickel. Yes, yes, yes. Tout se déroule à merveille, mesdames et messieurs. Viens améliorer ça, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi je le ferai pas. On a de l'argent qui coule à flot encore. Tu vois. Damelo. N'importe quoi. Courbe qui n'a aucun sens, quoi. S'il te plaît, t'sais. Où est-ce que tu vois ça, quoi? Même Amazon en bourse, ils n'ont pas fait ça. Le frotte négligemment avant de craquer une allumette. Couvre le fessier d'acatras d'huile afin de le faire luire. Ah oui, c'était dans le sens. Ça reste perturbant même dans ce sens-là. Si tu fais ta requête, sale bolo, t'es contente? Vas-y, je te promets, je regarde même plus maintenant, ça je fais ok direct. Puis en glissant sur ses fesses. Il est que 22h24. Hein.
Et Nictis, toi, c'est l'après-midi en plus. Il y a ta femme qui traîne pas loin. Qui lance avec la moitié la pauvre. Certains de nos patients sont obligés d'attendre debout, donc ils allaient se faire foutre. On n'a pas assez de bancs, quoi. Alors là, c'est important pour moi, graphiste. Merde ! Juste à côté de la gift shop, là, du gift shop, ça va être bien, ça. Ça peut être insupportable. En même temps, personne n'y va jamais à ce gift shop de merde, donc qu'est-ce qu'il faut ? Personne ne demandait assistant. C'est bien, il était bien rentable pour l'instant, hein. Ça valait le coup de l'avoir acheté. Personne n'avait vu ? Qu'est-ce que tu fais de beau, toi ? Service à la clientèle, j'adore ! Nelly Strudel. Mein Strudel. Stop, please. Water. Améliore la machine, là. Et après, je deviendrai propriétaire de ce magnifique bâtiment. Pharmacie, psychiatrie. Il va me falloir plus de psy. Ouais. La psychanalyse. Alors, est-ce que monsieur le psychanalyste. En fait, je mets pause parce que le problème, c'est qu'il y avait une queue de ouf. Du coup, j'aimerais bien y pallier tout de suite. Magnifique, comme ça, j'adore. Et tu seras ici, face à la fenêtre. C'est important que la lumière soit dans ton dos. Voilà. Tu as aussi des classeurs imposants derrière toi. Voilà. Et tu as aussi, surtout, la peinture de chien en face de toi. Car tu es le roi, tu as le droit de l'avoir. On n'est pas vraiment en face de toi, mais on va y remédier. On peut pas y remédier, c'est pas grave. Elle est à peu près en face de toi. Pourquoi j'ai plus de musique ? Un foyer ? Ça va faire monter la température, c'est pour un mec qui se permet d'avoir un foyer, tu sais. Ça, je suis obligé de le mettre, parce que c'est tellement un truc de psychiatre que... Voilà. Hannibal Lecter là. Petite plante. Comme ça il trempe ses pieds dans la plante. Je vais rien dire, j'adore. J'embauche. C'est la psychiatrie là. Allez. Profite de. Oh, ils arrivent en courant. Oui, tu vois qu'il est bien ce tableau. T'as rigolé devant là, c'est moi ? Parce que. Attends. Laisse-moi rire, regarde. Quand je regarde là. Excuse-moi, hein, parce que je le vois rigoler devant mon tableau. Ok, on va résumer à quoi tu sers ici. Cet individu s'est occupé de zéro patient. On a tué zéro. Bien. On a guéri zéro. Mmh. A obtenu 0$ pour l'hôpital. A été payé 0$ donc. Avant de rigoler sur mes choix esthétiques, on voudrait peut-être faire ses marques un petit peu. Je veux pas te dégager en fait. Des blocs stars. Et ça, je le fais. De toute façon, ça se fait de manière naturelle. C'est dur de le faire monter ce con d'hôpital là. Je pensais que ça allait être plus rapide que ça, quoi. Un bordel de cul. Par contre, zéro challenge hein, pour l'instant. J'hésite à faire ça, tu vois. Docteur. Salle commune. Ça, celui-là ? Comme ça, là. Yes. Ça, on adore. Ça marche pas ? Ça marche pas. Certes. C'est quoi ce vieux mur dégueulasse, là ? Bon, je mettrai une plante dedans, je suppose. C'est tellement flippant, ça, dans une pièce. Bon, j'avoue, elle est peut-être un peu petite, la pièce. On va faire comme ça. Quand même un gros truc à chaque fois les salles de repos. Bon par contre on va pas faire ça du coup, ça me dégoûte. Ça me dégoûte un max. Qu'est-ce qui se passe là ? J'aime pas ce que j'ai entendu, on dirait un bruit de défaite.
Faut cher hein, les lits. Hein. Mais bon, c'est le coût de la vie, j'ai envie de vous dire. Je peux pas. Ça passe ou pas, non? Bah ici, on va mettre, regarde. Les casiers des Srab. 3 pour eux. 3 pour eux. Ok, c'est pas aligné, j'adore. Petite poubelle, parce que vous êtes des gros sales. Petit extincteur par là, quand même, ce serait pas mal. Y'a déjà un? Y'a déjà un là? Viens ici alors. Si t'as envie de voir des frogs. Le choub. J'ai pas oublié, vous en faites pas, respirez. Il va être là, réservé au personnel. Quel élément non valide? Oui. Ah, c'était un lit. Bah merde, qu'est-ce qui est arrivé le pauvre? Ah mais c'est la plante qui était mal placée. Mais oui, oui. Attends, du coup je vais ajouter un lit. J'ai menti. J'ai menti, chef. Eh ouais. Qu'est-ce que c'est là? Voilà, chef. Alors. Là c'est infirmier. Et c'est toi, Jennifer, que je choisis. Parmi les 1000 CV que j'ai reçus, c'est bien toi. Oui, c'est toi qui a été choisi. Tiens, promu. Ok. Oui. Oui. Ouh, on est déjà niveau 7 là. Pouf. J'attends toujours le marathon Miasmata pour mon anniv. Mais bientôt, bientôt. Au prochain anniv. Mes vidéos préférées de toi et pour beaucoup de personnes, je pense, sur les vidéos de la brigade vestimentaire. On voit qu'il t'éclate à faire ces vidéos. Putain, ça fait longtemps ça, tu vois. Je pense pouvoir dire que j'étais quelqu'un d'autre à l'époque. C'est pour ça faire. C'est sur Castle Story. Qui a joué à ce musical, lequel, le dernier là? Pouvons affronter d'autres hôpitaux de la région et reconnaître en participant au défi de l'administration. Ouh. Ah ouais, mais c'est des gens. Non. Des revenus, je pense que je vais gagner. Ah non, mais c'est avec. Ouais, bon, laisse tomber. Je pense que ça marche, tu fais ça? Ah mais Lou, elle va m'éclater, mais non, je peux pas gagner. Lou, dégage, dégage, Lou. Non, j'annule. Je veux plus le faire. Mais Lou, elle est obligée de gagner. Ah mais non, parce qu'elle joue pas, là. Attends, comment ça marche? Je suppose que ça va marcher que même s'il joue pas... Bon, ça va être débile, là. Ça va être débile, j'ai rien gagné du tout. Quelqu'un qui crève là-bas, tout va bien. Alors, qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Un autre généraliste peut-être. Il faut absolument son petit casier à lui par contre, hein, monseigneur. C'est bien mieux que l'hôpital de Stryker. Bah ça je te le fais pas dire. Mais je suis pas surpris, cela dit, je sais pas pourquoi il le dit. Moi je trouve ça normal. C'était l'objectif, de toute façon, humiliation et destruction de la concurrence. Surtout humiliation. On peut dégager cet éclateur. A report released today claims that Two Point County has the best medical coverage in the country. Mec qui a et le squelette et le Shiba dans son dinde. Rien ne l'arrête. Et vous avez une petite fenêtre sur un autre squelette. J'adore. That's good enough for me. Je sais ce que c'est. Ah non, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est extincteur qui a disparu. Tant mieux, je l'aimais pas celui-là. J'avais pu me le voir. Je vais mettre là, tiens. À venir en courant, calme-toi. Pedro! Non, je veux juste Kimi. Quoique. Non, Kimi, t'es moins cher. Charmante, raconte des mailles, t'as rien. Tu fais voler ton bureau par contre, tu feras gaffe. L'attrait de l'hôpital insérant des plantes et des éléments. Oui, bah, je t'emmerde, je suis en train de faire quoi là? Je me sue, je me tue! De gros porc, par contre, ça leur parle pas, ça peut-être. J'ai trouvé que ça vous parle, les gros. La poubelle derrière le squelette, cachée aisément.
Ah. La révélation. Voilà, voilà. Deux fois de suite. Deux années consécutives. Y a pas à dire. On win, mais facilement. Facilement! Edouard Biscotti. Biscotti, quoi. Pitié. Oui, là, il s'est pas fait prier pour s'asseoir. Poser son énorme cul sur mon banc. Je pourrais le mettre, du coup, je le mets là. Je veux juste mettre d'autres bancs, en fait. Et Alex, ça se fait pas prier pour me donner de l'argent aussi en dépensant dans mes magnifiques trucs. Moi, je suis en train de gagner, les gars. C'est chaud. Lou, elle va relancer le jeu juste pour me détruire, je suis sûr. Saloperie. Ah, merde. La requête de Brigitte Bardot. Récompense aucun. Super. Bon, bah, ça se développe bien, cette aile, là. Non? Vous pouvez pas? Vous aimez rien, de toute façon, par vous-même. Faudrait, je pense, c'est un agent de maintenance, là. Lui, cher, je m'en fous. C'est quelque chose de bien. Jeu de la Qualitat. La Dutch Qualitat. Magnifique! Et c'est après. Franchement... Bon, après, pour arriver au niveau 10, je sais pas ce qu'il faut faire, mais... Attendre que le défi se finisse, écoute. Tellement de thunes, bordel. Je sais même plus quoi en faire, t'sais. Ça en dit ridicule, en fait, d'avoir autant de thunes. Ça devrait être interdit, si vous voulez mon avis. Y'a des gens qui attendent quelque part pour quelque chose, non? Je peux améliorer ça, j'ai remarqué. Voilà. J'ai perdu ça, nana. Ça faisait longtemps que j'avais plus entendu ces conneries. Cardiologie, alors ça. Cardiologie! Ça rapporte de la thune, ça, aux États-Unis, un truc de fou, les mecs qui sont cardiologues là-bas. Je vais faire comme ça. Je vais faire au moins comme ça pour qu'il y ait la place un petit peu de mettre de la déco. Non, vas-y, comme ça, on se fait plaisir. Fou. Yes! Ça, j'adore! Tout ça pour ça! Non. This is Ricky Hawthorne. On 2 Point Radio. Would you believe it? Old Henry Jobsworth, the local health and safety inspector, is threatening to close down Medidunk Farm. Apparently, the place is infested with cows, pigs, and chickens. Steady on, Henry. Oh, tu vas pouvoir courir. Oh, alors le privilège que je te fais là, c'est incroyable. Parce que là, ça continue. Ouais. C'est roll me. Je suis en train de l'améliorer de toute façon. Chill. Et si tu te retournes, tu pourras tester ta vue, ce qui est sympathique quand même. Ça fait toujours plaisir. Petite sainte wave là. Les gens pourront te regarder courir et te juger, ça j'adore. Peut être sérieux, je peux être des fenêtres vers l'extérieur quoi, mais what? Pourquoi? Qui a décidé ça? Qui est le nazi qui a décidé ça? On garde les files de tous les patients ici. Et on garde Bobby, le squelette. Sympathique. Alors là, il faut un cardiologue, non, j'imagine. Un infirmier. Pharmacologue diagnostique. D'accord, chef. Tellement cher, Brandon. A été élevé dans une ferme. Vas-y, viens. T'es mon genre de gars, toi. Nous avons terminé le défi. Nous avons obtenu 20k. Mais vas-y, je vais faire que des défis avec tout le monde, moi. T'obtiens de la thune alors qu'ils jouent même pas, les gens. Pas un peu débile par hasard, ça, tu sais. Je peux le relancer en plus, ça qui est terrible. De hell, quoi. Mais. Ciao, McLord. Fermé. MDR, quoi. Non? Un petit peu. Un petit peu, quand même, si. Meilleure-moi ça. Je sais même plus quoi faire du fric. Vas-y, cette partie en humeur mi-tête, là. Putain,
putain, tout le monde est content, incroyable. Tout ce que j'ai fait, c'est juste accepter les promotions sans être non plus super généreux. Je dis oui, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, les couleurs, là? C'est la charge de travail? J'ai qu'un seul truc pour les ampouliers, hein. C'est un peu dangereux, ça? Les ampoules boil, hein. Un autre ici quand même. Si vous voulez mon avis. Alors est-ce que je pourrais débloquer là? Bon attends, déjà il y a le rituel qui ne doit pas être sous aucun cas brisé. A dangerous animal has escaped from Grockle Bay Zoo. Well, the authorities have yet to reveal what species. Rumor has it that it's a 9-foot half tiger, half rhino with a big. Peut-être la machine à café. Peut-être sympa, non? Une machine à café juste à côté du truc pour tester. J'adore. Tout le monde sera content de ça. Ah non, je peux pas mettre n'importe où, ce que dans les salles, ça. Ok, pas moult place. Ah, moi j'en fous partout, hein. Je suis un taré, vous me connaissez pas. On ne peut pas mettre entre toutes les mains ce genre de pouvoir. Il y a des salles, celles-ci sont tellement blindées que je vois pas où je pouvais mettre. Toi, tu auras ton petit café, ce qui va rendre jaloux ton collègue. Mais comme je suis grand seigneur, regarde. Comme ça, les gens de l'extérieur seront jaloux qu'il ait une machine à café. Lui, j'adore, c'est démoniaque. Gagner 100 000 dollars, ça devrait le faire. Vu notre rythme de croisière. C'est quoi, c'est un docteur formé, je sais pas quoi là? Formé au traitement. C'est un docteur quoi. En gros. Jeannette, tu dégages, t'es nul à chier toi aussi. Dégage. On va attendre un petit peu. J'en suis où là de l'objectif? Niveau 8. Je suis déjà parti de là, non? J'augmente pas très vite en vrai. Hein. Je fasse la masse de salle, mais bon. Il manque quelqu'un. Hein. Peut-être embauché de. De l'infirmier un petit peu spécialisé. Enfin, pas spécialisé, mais qui du coup connaît. Pas dégueu toi si. Mais il faut pas ça en fait. Ça t'es même fort quand même, non? Million, million, million. Si je vais le prendre lui, il est ouf. Il vaut tellement cher par contre, ça a aucun sens. Bon. Tu veux que je te dise. You got mail. J'ai déjà fait les 100 000 balles là direct. Putain, ça m'a pris longtemps hein. Je peux améliorer ça, je savais pas. Pourtant je l'ai déjà fait. Mais je savais pas, faut croire. Tu revives le Subnautica Field, j'en ai besoin, je te jure. Moi j'ai trop hâte qu'ils finissent l'early access de l'autre là. Apparemment il devait pas durer aussi longtemps que le premier. J'ai presque fini là. Ouh. Ça va faire des jaloux là. Yes, j'ai gagné encore le défi des revenus. Quelle surprise. 319 000. What a surprise. Je leur fais pas. Je vais voir parce qu'après c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu as cru que c'était la fête là? Tu veux quoi? Tu veux une autre salle de détente, mon petit seigneur? Qu'est-ce qu'il faudrait sinon? Toilette peut-être ici. Ça va être sympa. Le seum. Qu'est-ce qui s'est passé là?
sera toujours problème de toute façon. Mais là, ça va être des big old toilettes. Et avoir de quoi faire. Quoique, non, il n'y a pas besoin de... Je sais pas. Si, 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 si. Il y a toujours besoin. Moi, je les connais, les animaux. Attention, là, il y a une place de choix pour notre meilleur ami. Le meilleur ami de l'homme, d'ailleurs, de tout le monde, de l'humanité. J'adore. J'adore! Pas vous mentir, c'est mon petit plaisir. Et je vais mettre un cactus à côté. Voilà. Bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de place pour le faire, mais c'est pas grave. On dirait un sanctuaire. C'est clairement un sanctuaire. Voilà. Quoi? Les éléments pas valides? Ah, la poubelle, on s'en branle. Osef, cette saloperie. Oh mais je peux faire un truc de ouf aussi là. Je peux les confronter à leur mortalité même dans le... Même dans les toilettes quoi. Lui, j'ai un plan là. J'ai un plan diabolique. C'est les jumpscares de Scare PewDiePie. Voilà. Dès que tu sors des toilettes, t'es confronté tout de suite à ta mortalité. Et je pense que c'est important. Presque niveau 10 du coup, avec ces conneries. Bon là je peux faire n'importe quoi pour gagner je pense. J'ai envie de faire J'ai envie de faire quoi? J'ai quoi pour les marmitons là? J'ai ça, ça, ils sont déjà améliorés. Peut-être un autre truc de cardiologie, tiens, ça doit rapporter de la thune ça. Voilà, on va vite faire le pimper. Pimp me ride, comme ils disent les anglais. Et Dieu sait qu'ils ont pas tort là-dessus. Cette fois, tu t'es vu en courant, bolos. Il est là, bien sûr, vous l'attendiez. Vous n'allez pas être déçu, il est là. Un petit café avant d'aller courir pour tester ton cœur? Ça te tente? Ça semble legit. On va mettre une là. Ok. Chasseur. J'allais dire chasseur. Oui, aussi. Yes, ok, c'est bon, 3 étoiles. Bon, bah finalement, voilà, j'ai fait que... Tout fait. J'ai débloqué Separace Roll 3. Donc on débloque des trucs, il y a quand même un intérêt. Le mec qui fait un malaise sur le tapis de course et qui tombe sur le tapis sur Cactus. Salut User Guide. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. T'es retour sur le jeu? Bah écoute, je m'amuse bien pour l'instant. Bien ce qu'on pensait, ça débloque d'autres endroits. Un pont trop loin. Bon, la carte par contre, elle est un peu dégueulasse. Ça, je peux te dire ce que j'en pense direct. Est-ce que j'éclate loup ou pas? Putain, loup. Mais Lou, elle est folle. Regarde comme elle a tryhard là. Est-ce que t'as continué après? Eh oui, elle a continué. Mais Lou, elle a pété le jeu. C'est unfair. Elle a éclaté quoi. Regarde-moi les stats qu'elle a. Je suis sûr qu'elle a tout acheté et tout. Niveau de l'hôpital 16 déjà. Ouais, mais en fait Lou, elle a fait exprès. Au début, tu vois, elle t'attire dans le piège. Elle dit ouais, tranquille, moi je joue pour m'amuser. Ah non, déjà elle s'amusait pas là. Réputation 97 niveau 6. Mais ça c'était normal niveau 6. C'était quand même assez incroyable. Mais bon, comme je l'avais éclaté, tu vois. Je me disais c'est bon quoi. Mais là, ça commençait à plus aller quoi. Puis après elle est en roue libre. Bah écoute, pour l'instant je m'amuse bien. C'est sympa. A voir en fait comment ça évolue parce que ça reste. J'allais dire scénarisé, c'est pas scénarisé, mais ils te font faire des trucs, ce qui est sympa, mais. À terme, faudrait quand même qu'il y ait des. Je sais pas. Des objectifs. Mais j'imagine qu'il y en a en fait, donc ça veut rien dire ce que je dis, je suis pas assez loin. C'est tout ce que je peux te dire, c'est que je suis pas assez loin. Mais je kiffe en tout cas, j'aime bien. Ça me plaît. Pour l'instant, c'est un peu trop simple, on va pas se mentir. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. J'ai des étoiles aussi. C'est ça les étoiles, je suppose. Obtenir une valeur d'organisation de 10 millions. Non, suffit de jouer les niveaux. Classement. Livichou aussi. C'est quoi tous ces traîtres là qui m'éclatent? Bon, en même temps, ils ont fait plus de niveaux. Clairement, ils ont plus d'étoiles, donc bon, voilà.
Et ça, c'est avec quoi, Peter? Je voulais cliquer dessus. Ah, c'est avec des... 1, 3 participants. Ouais, ok. Tant pis, j'ai pas d'amis. Non, mais c'est triste. C'est la vérité, hein, mais c'est triste. Faudrait pouvoir voir le saut de loup histoire de voir les solutions idéales à chaque niveau. C'est ça, j'aimerais trop pouvoir voir son truc. Est-ce que je peux penser? Non. C'est bon que tu streams, loup. Que tu le streams juste pour moi. Bon, allez. Moi, par contre, je vais m'arrêter là. On a fait une belle petite session déjà. Ça a laissé le temps de découvrir le jeu. Bon, comme prévu et comme les gens avaient l'air de le dire, de toute façon, il est très sympa. Voilà, moi, le seul truc qui me ferait peur sur ce genre de truc, c'est le... Si je n'arrive pas à se renouveler à terme et si la difficulté n'est pas croissante, si ça reste un petit peu trop simple tout le long, ça peut être un peu dommage. Tu peux un peu commencer à te faire chier, je pense. Si tu repars en plus presque de zéro à chaque fois, ça doit te gonfler. Mais là, dans la vie, les tous doivent être un peu plus hardcore niveau rendement et tous doivent un peu plus balancer, je sais pas. Je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas, c'est simple comme ça. Arrêtez de me saouler maintenant. Bonne vie, bonne nuit, dans cet ordre. Et puis voilà. Merci beaucoup au Modo, merci au Sub Resub, à donation de Calus aussi. Et puis juste aux gens qui sont passés, ça fait toujours plaisir de vous voir, surtout que je vous vois plus trop souvent. Voilà. En fait, j'hésitais vraiment à me refaire carrément un planning fixe, mais je le suivrai pas. Donc bon, voilà. Il faudrait dire, voilà, il y a un stream par semaine, c'est ce que je voulais faire à la base. Un par semaine, il essaie d'être là, mais bon, voilà quoi. Tu sais jamais à l'avance si tu vas être crevé, si tu vas plus avoir envie le jour même ou ce genre de truc. Donc bon, pas envie que ce soit forcé. J'essaierai ceci dit d'en faire plus souvent, voilà. Désolé pour ces délais. Et puis voilà. Bonne nuit, bonne vie, au revoir, adieu. Parce qu'on sait pas quand je reviendrai, donc adieu au cas où. Si je meurs en temps de stream. J'aime bien ta mentalité, Nictis. Allez, ciao !